Peter, il va apparaître à l'écran tout de suite. D'accord. Tu veux que j'y aille, là je me lance, c'est bon? D'accord, ok, très bien. Bien, bah écoutez, pour tous ceux qui sont présents dans cette salle d'Assemblée générale du Conseil d'État et pour tous ceux qui nous regardent à travers les écrans, bienvenue pour cette deuxième partie du colloque en hommage à Marcellon et consacré à la question de savoir ce qu'est un grand commis de l'État. Et j'ai grand plaisir à accueillir donc, pour cette table ronde deux orateurs, Peter Riquet, qui devrait normalement apparaître à l'écran. Voici. Bonjour Peter. Peter, un grand merci d'être là depuis Bonjour, Londres. Bonjour Madame la Présidente. Merci Peter d'être là depuis Londres. Peter, on te connaît, tu es un grand diplomate de carrière. Tu as été ambassadeur du Royaume-Uni en France de 2012 à 2016. Tu es aujourd'hui membre de la Chambre des Lords et tu vas nous apporter ton regard sur ce qu'est un grand commis vu depuis ton point de vue et vu depuis la Grande-Bretagne. Christian Vigouroux, que je ne présente évidemment pas dans cette enceinte, qui est l'autre orateur et qui nous livrera son analyse des éléments qui constituent la déontologie du grand commis de l'État français et dont je rappelle, Christian, que tu es l'auteur d'un remarquable ouvrage sur la déontologie des hautes fonctions publiques dont tu es en train d'ailleurs de mettre la main sur la troisième édition. Donc deux regards qui vont se croiser dans une approche comparative et qui nous permettront peut-être de cerner ce qui est commun et ce qui est spécifique à chacune des nations, la française et la britannique, dans leur conception du haut service de l'État. Mais avant de leur passer la parole, je voudrais en quelques mots dire ce qu'évoque pour moi le terme de déontologie associé à celui de la figure du président Marcellon. Lorsqu'il prend la vice-présidence du Conseil d'État en 1987, je suis alors une toute jeune maître des requêtes, le président Marcellon incarne, je crois, pour notre génération et au plus haut niveau, ce que nous mettons communément sous le terme de déontologie, disons pour simplifier les devoirs, les réflexes, les comportements qu'impose la charge de servir l'État. Et je dirais qu'il porte en lui, toujours très naturellement, ce que les rédacteurs de l'ordonnance du 9 octobre 1945 créant l'ENA souhaitaient voir se développer dans la nouvelle génération des fonctionnaires dont il fait partie, je cite, « le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique entraîne et les moyens de les bien remplir ». Alors, quels devoirs? Je reprendrai ici rapidement et avec sa permission la trilogie énoncée par Christian Vigouroux dans son ouvrage. La probité, bien sûr, la loyauté, évidemment, mais aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, l'efficacité, entendue comme le professionnalisme. Professionnel de la chose publique, je crois que le président Marcellon se retrouvait derrière cette qualification, et d'ailleurs il la préférait à celle de service de l'État, disait-il, moins dynamique et qui comporte un certain degré d'allégeance. Il l'avait dit dans un colloque consacré aux relations entre l'administration et les politiques organisées par l'Institut français de sciences administratives en 1978. Efficacité et professionnalisme, ses vertus, ses qualités, ses exigences, le président Marcellon les illustrait tout particulièrement pour nous par son aptitude à porter des projets de transformation et de modernisation dans une vision, comme le vice-président d'ailleurs l'a dit ce matin, du temps long, une vision d'un intérêt général supérieur, un désir toujours d'améliorer les choses, le goût du faire au fond, une indépendance qui était une indépendance ouverte, affable, une capacité à mêler à la fois ambition et réalisme, s'adapter à tous les métiers, le sens aussi bien sûr de la relation juste avec le politique, le courage, la résolution, l'autorité exercée sans arrogance ni contrainte, mais avec succès, comme l'a rappelé ce matin le président de Noix de Saint-Marc, le pouvoir de convaincre, en y consacrant le temps qu'il fallait, la modestie, la simplicité et, au total, finalement, la capacité à susciter le respect et la confiance sans lesquelles, on le sait, aucune action publique ne peut se construire et se conduire. Et cette exemplarité déontologique, le président Marcellon l'incarnait à une époque où rien n'était écrit dans les textes.
ni le statut de 59, ni même la loi de 83 n'étaient très disert sur ce qu'était la déontologie du fonctionnaire. On sait que ce terme n'a été introduit dans le droit de la fonction publique qu'en 2016. Et je me suis alors demandé, au fond, quelles étaient les sources de la déontologie du grand commis avant que les textes ne viennent en donner une définition, l'encadrer et la contrôler. Sans doute, cette source se trouvait-elle en partie dans les valeurs de la résistance qui imprégnaient alors fortement la haute fonction publique et que diffusait l'ENA à ses élèves, après d'ailleurs les enseignements de l'École de la République. Mais au-delà, il me semble que la source surgit du choix qui peut être fait ou qui a été fait à l'aube d'une carrière et pour le long cours, d'un dévouement total, non à l'autorité, mais au service public. Professionnel de la chose publique, nous y revoilà. Commis certes par l'autorité légitime, le grand commis est, au-delà, mobilisé par un principe qui, au fond, le transcende, qui est le service de la France, de la République, du service public, un service intemporel qui donne un sens et une responsabilité morale à son engagement et finalement fonde intimement sa déontologie. Et c'est cette leçon qu'a, je crois, léguée le président Long aux générations qui lui ont succédé. Je vais maintenant passer la parole donc à Christian Vigouroux pour son point de vue sur la déontologie du grand commis hier et aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir convié sur ce sujet tout à fait passionnant qui me fait d'abord écouter Diderot, qui raconte M. de Pralin, avec un peu de hauteur, qui veut flatter M. Dubuc, commis de l'administration des colonies. « Vous seriez meilleur ministre que commis ?» Et il se fait répondre « Il faut, Monseigneur, que cela soit, puisque vous le dites. » Fin de citation. La distance entre le commis et le dignitaire, royal ou ministériel, est quelquefois floue. Le grand commis, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Grand, c'est presque trop, et commis, ce n'est pas assez. Alors, reconnaissons que le grand commis convient peut-être encore mieux à Marcelon qu'aux fonctionnaires, car dans grand commis, il y a, même avec un zeste de certitude de soi, un peu de modestie et d'adaptation à la fonction, alors que dans haut fonctionnaire, on ne peut pas s'empêcher d'y trouver un petit peu de morgue. Les hauts fonctionnaires, où sont les bas fonctionnaires? Quoi qu'il en soit, le commis peut être grand, mais retenons ce qui est souvent oublié, et la présidente vient de le rappeler très utilement, les devoirs. Dans l'ordonnance du 9 octobre 1945, il y a la notion de haut fonctionnaire, il y a la notion de haut devoir. Alors, qu'est-ce qu'un grand commis? C'est d'abord une boussole qui ne fait pas comme le père Ubu en mettant sa conscience dans une valise en carton sous un meuble, tout empoussiéré. Deuxièmement, c'est un transmetteur. Il ne croit pas au statu quo et sait que l'État, pour survivre, doit se transformer. La réforme des cours administratifs d'appel, c'est la réforme Long. Et ce qui me frappait, que j'avais pu expérimenter, c'était qu'un transformateur, un réalisateur, un macheur, vous avez dit un faiseur, un macheur, comme disent les Allemands, celui qui fait, eh bien, il s'occupe des grandes choses, il s'occupe des petits détails. En 1989, j'étais directeur adjoint du ministre de l'Intérieur, mon téléphone sonne, le vice-président du Conseil d'État. C'était au moment du transfert des cours administratifs d'appel. Je me dis, on va parler monde, transformation de la juridiction administrative au niveau où nous sommes, ça peut être que de grandes choses. Il me dit, où sont les deux ordinateurs que vous avez promis, vous, ministère de l'Intérieur, au tribunal administratif de Limoges? Et je n'ai jamais oublié, c'était ça pour moi, Marcelon, la capacité d'une réforme globale et allant jusqu'aux détails, parce qu'il sait que les réformes se gagnent sur les détails. Troisièmement, un metteur en scène, ça veut dire qu'il respecte les acteurs, ce que sont ses collaborateurs, et les met en valeur. Il incarnait l'État qui serait sans lui une abstraction. Et enfin, c'est un médiateur. Le grand commis ne craint pas les conflits. Il ne les cherche pas, mais il ne recule pas devant eux. Simplement, il sait qu'un conflit, ça doit trouver une issue, comme il faut terminer une grève. Alors, qu'est-ce qui a évolué? Au regard des prescriptions déontologiques, je pourrais presque dire que nous sommes passés
du rien dans mes 30 premières années d'administration au presque surabondant dans les 10 dernières années. Quand je vois qu'un service tout à fait banal comme la Direction générale de la sécurité extérieure a sa charte déontologique, tout à fait appliquée, ce n'est pas exactement la même qu'au Conseil d'État, loyauté, exigence, discrétion, adaptabilité, c'est bien le moins qu'on peut demander à des chefs espions. Et ce n'est pas la même chose que la charte d'achat du CHU de X, parce que c'est d'autres qualités qui sont mises principalement en valeur. Donc maintenant, chaque administration, chaque unité, chaque établissement a sa charte, son guide, son référentiel. Au début, j'étais réservé. Je me dis qu'au moins ces documents, et le Conseil d'État a le sien, et je l'ai approuvé, au moins chacun, chaque institution a eu un temps de réflexion pour mettre au point ce document. Et c'est presque ce temps et cette actualisation du document qui est aussi importante que le document. Alors, pourquoi cette accélération sur les chartes et les documents déontologiques à l'initiative souvent de grands commis? Je vois trois raisons très vite. Premièrement, les sinistres. Souvent, les documents de déontologie sont directement issus de crash. Le Quai d'Orsay a fait un très beau document déontologique après que plusieurs ambassadeurs aient eu des difficultés déontologiques après leur départ de l'administration. Mais c'est vrai aussi du Conseil d'État qui a fait ses premiers travaux déontologiques après un pépin dans un tribunal administratif. Et c'est vrai de à peu près toutes les administrations. On tire des leçons des difficultés. Deuxièmement, la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, est trop connue ici pour que je m'y appesantisse, mais y compris vis-à-vis du Conseil d'État. La Cour européenne des droits de l'homme nous a fait redécouvrir des constantes du Conseil d'État, et ça vaut pour d'autres administrations. Et puis les écoles, l'école d'administration qui a posé la question du rapport du grand commis et du ministre, les écoles de commerce qui ont poussé au New Public Management, l'école du journalisme, les écoles de journalistes, Mediapart est créée en 2008 et la pression se fait, on cherche les comportements déviants pour les présenter, les critiquer sans vouloir vraiment les expliquer. Et puis j'ajouterai aux écoles l'école des fans, émission de télévision 1977-2014, qui montre les citoyens à la recherche d'images de proximité, de fausse tranquillité et d'une représentation d'eux-mêmes très, très apaisée. Tout ça faisait que ça a bouillonné et tout ça a contribué à la nécessité de faire des documents. Alors, est-ce que tout ça est nouveau? Est-ce qu'on est dans une étape extraordinairement nouvelle? Je ne le crois pas du tout. Je crois que les formes sont nouvelles, tout ce que je viens de dire, la pression de la presse, etc., mais que j'ai plusieurs références qui me servent depuis des années et dans l'épaisseur du temps, en remontant le temps, bien sûr, les études administratives de Vivien, 1854, qui quitte jamais mon bureau, les pics de Chateaubriand sur ceux qui se croient des grands, même dans le mal et la corruption, alors qu'ils ne réussissent qu'à être des fripons, c'est-à-dire des petits corrompus. C'est une chose d'être un grand méchant, mais ce n'est pas facile. Ensuite, mes préférés, les ordonnances sur la réformation du royaume de Louis IX, Saint-Louis, 1254, et de son petit-fils Philippe le Bel, de 1301, sur lequel il y a tout, les conflits d'intérêts, ne pas nommer des fonctionnaires dans leur zone, le rapport aux puissants, à l'argent. Il faut que tous les grands commis aient Saint-Louis sur leur bureau. Et puis, si on veut monter encore plus loin, je recommande la lecture du livre de Bruno Dumézil, le petit-neveu du grand Dumézil, qui est professeur, un jeune professeur à la Sorbonne, qui a fait un très beau livre, « Servir l'État barbare dans la Gaule antique », où on voit les Francs commencer à faire des documents déontologiques. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tout est nouveau, mais tout est ancien, et servir le bien public se construit. La permanence, c'est cinq traits, et je détaillerai surtout le cinquième, qui n'est pas dans les livres et qui s'appelle le courage. Les cinq traits de mon image du grand commis, c'est d'abord la probité. Mais alors la probité, chez quelqu'un comme Marcelon ou chez quelqu'un qui peut être qualifié par les autres et par lui de grand commis, c'est que, bien sûr, il ne va pas être corrompu, mais c'est inimaginable de même essayer de le tenter. C'est pour ça que quelquefois, je suis frustré de toutes mes années de Conseil d'État de jamais avoir une approche corruptive. Je me dis, soit le job est vraiment pas suffisant pour qu'on me corrompe, soit c'est un autre facteur.
Deuxièmement, la compétence, ça va de soi, c'est heureusement assez bien répandu dans l'administration française, et ça ne suffirait pas à désigner le grand commis. Troisièmement, l'intérêt pour ses lieutenants et ses agents. Alors là, on commence à qualifier le grand. Le grand sait nouer une relation avec ses agents, les suivre, les conseiller, les avertir. Et là, je renvoie, je n'ai pas le temps, mais je le mettrai dans le texte écrit, le théorème de von Hammerstein, le chef d'état-major de l'armée allemande en 1933, qui avait une manière de classer en intelligent, sot, actif et paresseux ses collaborateurs, ce qui fait une table de lecture des comportements absolument distrayante et profondément juste. Hammerstein a été un très grand soldat et un très grand commis militaire. L'intelligence de ses collaborateurs, eh bien, c'est de les suivre. Et Marcelon avait un art d'être toujours le premier à appeler un de ses collaborateurs, un de ses collègues du Conseil d'État, un de ses proches, soit qu'il ait été dans le pétrin, soit qu'il ait eu un succès. Et moi, j'ai toujours admiré cette capacité à être présent, non pas pour juger, non pas pour féliciter ou flétrir, mais pour comprendre et pour éventuellement aider. Tout ça de sa voix calme qui faisait passer le plus agité à une tranquillité imperturbable. Quatrième trait, l'exacte mesure des exigences qui pèsent sur lui. Le grand commis, c'est exactement se battre avec cette notion fondamentale dans l'administration, le compte-rendu. En faire trop tôt, en faire trop tard, en faire tronqué, en faire complet. Et là, je renvoie à Jules Romain, dans la guerre de 14, ce modèle du lieutenant Imbar, à qui on donne un ordre de prendre une côte très défendue. Il sait que les trois quarts de sa section vont y rester. Et il prend la décision, il a été grand moralement, même si c'était qu'un lieutenant, de ne pas y aller, non pas par lâcheté, mais pour préserver sa section et la préparer pour un autre combat. Et alors, on lui dit, mais comment tu vas dire à ton capitaine que tu n'y es pas allé? Et il a cette phrase que beaucoup de fonctionnaires devraient lire. Là, c'est vraiment la limite de la désobéissance et du compte-rendu. Eh bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, mais qu'il faut tout de même l'avoir fait. C'est clair? Il ne faut pas le faire et il faut l'avoir fait. Et il va se débrouiller pour sauver sa section et puis finalement, il reprendra le combat avec héroïsme. Mais le plus intéressant, c'est le courage. Je me bornerai à donner quatre modèles de hauts fonctionnaires et de grands commis et vous n'aurez pas plus de mal que moi à bien voir les différences entre les grands commis justes et les grands commis qui ont fauté. Le premier, c'est le vicomte d'Orth en 1572, Alfred de Vigny. Sire, dit Charles IX, lui demande d'étendre la Saint-Barthélemy. Et le vicomte d'Orth répond, « Sire, j'ai communiqué le commandement de votre majesté à ses fidèles habitants et gens de guerre. Je n'ai trouvé que bons citoyens et braves soldats et pas un bourreau. » Ça, faut le dire au roi qui attend de vous une coopération malfaisante, le vicomte d'Orth. Deuxièmement, c'est le DGS de l'époque, le directeur général de la santé, Daudard, en 1721. Il reçoit un mémoire sur la peste qui correspond à l'opinion publique. Je ne citerai pas une chaîne de télévision, mais voilà. Et c'est soigner la peste avec du crapaud pilé. Lui, qui est un scientifique, il sait très bien que ça n'a aucun sens. Mais l'opinion est terrible et les princes sont aux abois, toute ressemblance, etc. Et donc, il a une phrase qui, pour moi, témoigne de tous ceux qui auraient pu être grands commis, mais qui perdent tout par un manque de courage. Et voilà cette phrase typiquement administrative, on en a tous lu. Alors, vous allez l'enregistrer, ce mémoire, Monsieur Daudard, ou pas ? La préparation de la poudre de crapaud, telle qu'elle était décrite dans ce mémoire, n'a rien de particulier et la réputation de ce remède ne me paraît pas établie sur d'exactes observations. Alors jusque-là, vous dites, ben voilà un grand commis qui est capable de dire, non, je refuse la pression sociale sur ce... Mais il y a un cependant. Et dans l'administration, le cependant tue. Alors, je continue. Cependant, comme on fait grande estime dans le public...
comme on en fait grande estime dans le public, je consens que l'on imprime ce mémoire après avoir pris la permission de monsieur le lieutenant de police. Il y a tout ce qu'on doit exécrer quand on prétend être un grand commis. On se décharge sur l'autre, on consent, mais ça veut dire que c'est une dissimulation d'acceptation. Je ne détaille pas de plus, vous avez compris ce grand personnage de Dodard. Troisièmement, le préfet Papon et ce grand arrêt pris sous la présidence, si je ne me trompe pas, du président Donat Saint-Marc en 2002, en assemblée, il suffit de le lire et on voit ce que peut faire le zèle. Et je rapproche ça des considérations de Victor Hugo dans son 1852. Voilà, c'est un fonctionnaire, c'est le portrait d'un fonctionnaire parfait qui prend des initiatives, qui déborde de ses compétences. Et puis, au moment où on arrive à la finalité, tout explose. Et enfin, le quatrième, c'est celui dont j'ai toujours le portrait dans mon téléphone avec moi, c'est le général Jérôme Leclerc, qui règne sur la Tunisie en 1897. Et on lui envoie un certain colonel Picard pour qu'il l'occupe en Tunisie. Et les ordres non écrits, mais chuchotés, c'est de dire « portez-le à la frontière, là où il y a quelques bons coups de fusil à prendre ». Le général Leclerc est un indépendant, c'est un grand commis de l'armée. Il dit non. Mais vous devriez pousser les gens. Non, à quoi ça servirait de l'envoyer? Il va rester à mes côtés. Personne n'en a parlé, je suis le seul à le célébrer et je suis heureux aujourd'hui de dire des grands commis, des gens courageux, il y en a toujours. J'ai terminé. Une fois que je vous aurai dit le portrait de Marsolon, qui a été fait pas par moi, mais je trouve que ça lui va tellement bien, c'est Saint-Simon qui fait le beau portrait de Callière, ambassadeur en Hollande, et coutumier des missions difficiles. Ça aussi, ça vaut pour Marsolon, qui, je le rappelle, avait accepté, il n'avait vraiment rien à gagner, la commission de la nationalité, sur un sujet où vraiment c'est débattu, personne n'a la vérité, et il y était allé en pensant que c'était utile. Rien que ça, même si je n'étais pas entièrement d'accord avec ses conclusions, je le respecte parce qu'il allait au service de l'État avec la collégialité et l'argumentation. Alors, le portrait de Callière, je le lis, le portrait de Marsolon. Citation. « C'était en tout un très brave homme, extrêmement sage et sensé, qui aimait l'État et qui en était fort instruit, fort modeste, parfaitement désintéressé et qui ne craignait pas déplaire au roi ni au ministre pour dire la vérité et ce qu'il pensait et pourquoi jusqu'au bout et qu'il les faisait très souvent revenir à son avis. La modestie savait convaincre et le grand commis est flamboyant par sa discrétion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette fresque magnifique sur les qualités du grand commis et ses incarnations à travers les âges, le temps, les grands commis dans la lumière ou les grands commis dans l'ombre. Merci infiniment, je crois que c'était absolument passionnant. Et je vais donc maintenant donner la parole à Peter Rickett. Peter, voilà. Merci Madame la Présidente, chère Sylvie. C'est pas facile de suivre cette brillante allocution de Christian Vigouroux, mais quand même, bonjour de Londres, et pour des raisons évidentes, la Manche est un peu plus large en ce moment, et alors je suis désolé de ne pas être des vôtres en présentiel. Mais c'est vraiment un honneur d'être de retour au Conseil d'État et de participer à cette colloque. Nos deux pays, bien sûr, n'ont pas les mêmes histoires administratives et nous n'avons pas l'avantage d'un Conseil d'État chez nous. Si vous remontez dans le temps, bien sûr, nous avions aussi les grands serviteurs des monarques, les cardinaux Wolsey, Thomas Cromwell, Saint Thomas More, etc., peut-être équivalent à Richelieu et à Mazarin. Mais je laisse l'histoire aux historiens et je me concentre plutôt sur l'époque moderne. Et j'ai cherché deux illustrations britanniques de ce que je comprends par le terme grand commis dans notre système. Et je la date de la création d'une autre fonction publique britannique par les réformes dites Northcote Trevelyan en 1855. Elles ont mis en place une fonction publique professionnelle,
politiquement neutre avec le recrutement et la nomination sur le principe de mérite et de la carrière ouverte au talent. Alors, 50 ans après l'empereur, nous y arrivions aussi. Les règles de déontologie introduites dans ces réformes sont toujours appliquées aujourd'hui. Elles ont créé les conditions pour une succession de très influents, très grands hauts fonctionnaires que je vais vous présenter deux brièvement, largement inconnus aujourd'hui, mais qui ont très bien servi le royaume. Je commence avec Maurice Hankey, qui était un jeune fonctionnaire discret, très travailleur, quand il prend la poste en 1908 du Secretary du nouveau Committee of Imperial Defense. Son rôle, c'est de mettre en place un système centralisé de planification, de préparation pour aider le Premier ministre à coordonner l'action de son gouvernement et surtout de préparer la prochaine guerre et de confronter toutes les autres menaces qui pesaient sur le plus grand empire du monde à ce moment-là. Hankey est tellement efficace qu'il reste en place 30 ans. Son système de coordination s'est converti en secrétariat du War Cabinet que Lloyd George a mis en place quand il devient Premier ministre en 1916 pour corriger une gestion qui était perçue comme trop laxiste et peu efficace. Lloyd George demande à Hankey de mettre en place une vraie structure resserrée, rigoureuse, qui permet au Premier ministre de contrôler personnellement tous les aspects de la guerre. Hankey devient en plus le premier Cabinet Secretary chez nous. Il garde ce poste pour 20 ans. Il crée le Cabinet Secretariat qui renforce considérablement le rôle de tous les premiers ministres jusqu'à nos jours, comme le primus inter pares de ses collègues. Ce poste de Cabinet Secretary devient le plus influent dans tout notre système politique. Il va au-delà, je pense, de votre secrétaire général au gouvernement. C'est le cabinet secretary lui-même, toujours, qui rédige les cabinet minutes, qui est le compte-rendu des conseils des ministres, qui donne un précis anonymisé des contributions des ministres au débat, sauf bien sûr le premier ministre, dont le summing up des cabinet minutes est sans appel et détermine l'action du gouvernement. Hankey a pris sa retraite finalement en 1938, mais Churchill s'est beaucoup appuyé sur son modèle de War Cabinet Secretariat pendant la Deuxième Guerre. Et je dirais même que l'efficacité de Churchill est pour une bonne partie basée sur cet outil formidablement efficace de synthèse, de contrôle, de la prise de décision et du suivi. À Washington, Roosevelt et ses chefs d'état-major n'avaient rien de comparable. Et ils ont beaucoup admiré le système britannique derrière Churchill. En fait, la gestion de Roosevelt comme dirigeant de la guerre était très critiquée. Et le Congrès s'est inspiré du modèle britannique quand ils ont adopté leur National Security Act en 1947. Et le National Security Council est toujours au cœur de leur système de gouvernement et maintenant du nôtre aussi, parce que j'étais en fait le premier National Security Advisor qui a créé le système chez nous en 2010. Alors, mon deuxième exemple de grand commis, c'est une génération plus jeune que Hankey, mais lui aussi a beaucoup aidé Churchill pendant la guerre. Cette fois, il s'agit de Sir Alexander Cadogan, qui était le Permanent Secretary, le secrétaire général au Foreign Office, de 1938 à 1946. Alors, le lointain prédécesseur dans ma fauteuil que j'ai occupé à mon tour. Il est le fils cadet des Earls of Cadogan, qui est richissime famille et propriétaire d'une bonne partie de Chelsea. Mais lui-même, il est membre cadet de la famille, diplomate de carrière. Comme Hankey, discret, austère, brillant, il est appelé par Eden de devenir le Permanent Secretary. Il est plus bas profil, plus calme que son prédécesseur, très guerrier, Vance Tate. Mais il est très décidé. Et en fait, il guide la politique étrangère britannique avec une main ferme sous trois premiers ministres, Chamberlain, Churchill et Attlee, de Munich à Potsdam, et puis comme le premier représentant britannique à l'ONU.
C'est Cadogan qui accompagne Churchill à tous les sommets de la guerre. Eden doit rester à Londres pour garder le magasin quand Churchill voyage. Et alors, en août 1941, c'est Cadogan qui traverse l'Atlantique avec Roosevelt pour la rencontre avec. Il traverse l'Atlantique pour rencontrer Roosevelt à Placentia Bay au Canada pour le premier grand sommet de la guerre. C'est le moment où Roosevelt demande à Churchill un projet de déclaration conjointe sur la vision du monde après la guerre. Cadogan est seul représentant du Foreign Office, il n'avait pas de communication, il n'avait pas de staff avec lui. Churchill lui demande de rédiger une charte, une déclaration, et Cadogan rédige sur une feuille de papier des principes qui deviennent deux jours plus tard The Atlantic Charter. Plusieurs de ces principes, dont les mots rédigés par Cadogan, se sont reproduits mot pour mot dans la charte de l'ONU. Alors, ils deviennent partie du droit international. Par exemple, le principe de règlement des différends internationaux par moyens pacifiques, l'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de force. C'est Cadogan qui les a rédigés. Il a aussi, avec Churchill, persuadé Roosevelt à accepter le principe d'un General System of International Security qui deviendra l'ONU. Et en associant Roosevelt et les Américains avec ce principe, Churchill et Cadogan ont contribué à éviter de grandes erreurs des États-Unis en 1920 en restant à l'écart de la Ligue des Nations. Cadogan a même rendu une service particulière à la France. À Yalta, c'était Cadogan qui a incité Churchill à proposer à Roosevelt et Staline un siège permanent pour la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors peut-être il mérite une statue devant le Quai d'Orsay. Alors voilà, je vous ai présenté deux grands commis d'État avec un sens profond des intérêts du pays, une capacité à construire pour le long terme, tout en maîtrisant les crises du jour. Ils avaient tous les deux la probité, la compétence et l'autorité de gagner le respect des dirigeants politiques des gouvernements successifs, et ils ont pu être là pour le long terme. Ils avaient le courage de parler vrai à leurs hiérarchies politiques. Ils ont devenu des références pour les générations de fonctionnaires et ils ont formé en quelque sorte l'autre fonction publique telle que nous le connaissons aujourd'hui. Dans notre système britannique sans constitution écrite, une autre fonction publique neutre et efficace est encore plus essentielle en contrepartie. Nous avons vu ces dernières années, chez moi, les risques d'un système de constitution non écrite quand la souveraineté parlementaire est en fait instrumentalisée par un gouvernement déterminé à renforcer les pouvoirs de l'exécutif sur la législature. D'abord dans tout le chaos du Brexit et puis maintenant pour gérer la crise sans précédent sanitaire. Avec les pressions court-termistes et médiatiques et la polarisation de notre vie politique, il est à mon avis à la fois plus important mais aussi plus difficile pour les fonctionnaires d'aujourd'hui d'endosser ces habits de grand commis. Voilà, chère Sylvie, je reste là et je serai ravi de répondre au débat. Merci. Dans ce que vous avez dit, Peter, je trouve qu'il y a bien sûr énormément finalement de similitudes entre à la fois les grands traits des hauts fonctionnaires britanniques tels que vous nous les avez décrits, les qualités qui sont requises d'eux, et à la fois effectivement leur courage, leur maîtrise à la fois du temps, du moment, mais aussi de l'histoire, leur conscience profonde du rôle de permanence qu'ils jouent dans leur pays. Mais j'ai compris que vous finissiez sur une touche un peu, comment dirais-je, un peu attristée ou un peu
un peu sceptique sur, compte tenu de l'état que vous décrivez, hein, de la relation avec le politique, du court-termisme, la difficulté peut-être aujourd'hui pour le haut fonctionnaire de se situer dans ces... Dans une appréhension plus, je dirais, à la fois responsable et tranquille quelque part de ses fonctions. Est-ce que ça veut dire pour vous que ça appelle des réformes dans l'organisation de la fonction publique ou dans sa formation, ou comment est-ce que vous voyez la réponse aux interrogations ou aux craintes que vous avez exprimées? Merci Sylvie. D'abord, je pense qu'il y a des pressions extraordinaires sur les hauts fonctionnaires, les grands commis ou les gens qui sont en train de devenir grands commis dans tout le pays. Les pressions des médias sociaux, le tempo politique qui s'est beaucoup accéléré, je pense, dans tout le pays démocratique. Aussi, dans mon expérience, la difficulté d'intéresser les hommes politiques à la stratégie, parce qu'ils sont tellement contraints à réagir en permanence à la crise du jour ou de l'heure, que mettre le temps nécessaire de réfléchir et de voir à plus long terme les risques qui se profilent à l'horizon, mais qui ne sont pas devant eux actuellement, ça devient de plus en plus compliqué. Et les deux exemples que j'ai choisis sont deux personnes qui ont pu réfléchir sur le plus long terme et de construire pour préparer les défis à venir. Si on rejoint ça, la pression médiatique sur les hauts fonctionnaires aussi, la difficulté de rester à l'écart de ces pressions, je pense vraiment que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça demande des réformes administratives? Je suis moins sûr qu'appliquer les bons vieilles règles qui ont servi pendant 3 ou 4 générations dans nos deux pays, de laisser la fonction publique à l'écart de la politique, de garder cette barrière entre les deux, plutôt que demander aux fonctionnaires d'être des acteurs sur la place publique et dans le débat politique qui laisse la position de fonctionnaires extrêmement difficile. Alors, je ne suis pas sûr que ce sont des nouvelles règles qu'il faut inventer, mais plutôt appliquer les règles qui ont bien servi dans les décennies, mais qui deviennent de plus en plus compliquées à appliquer dans le monde actuel que tous nos pays confrontent. Oui, revenir aux valeurs essentielles qui ont toujours finalement inspiré la haute fonction publique. Je me tourne vers Christian Vigouroux sur cette question de la relation. Enfin, le fait que le fonctionnaire ou le haut fonctionnaire aujourd'hui, il est davantage dans l'espace public, dans un espace public plus agressif. Il est effectivement parfois plus confondu avec... Enfin, il y a une confusion, des frontières brouillées avec le politique qui peuvent effectivement... à la fois entraver son action, son image, et puis on vit dans un monde qui est beaucoup plus défiant vis-à-vis de ses élites. Donc il y a un contexte aujourd'hui qui n'a quand même plus grand-chose à voir, celui des 30 Glorieuses, dans lesquelles s'est construite finalement la figure du grand commis moderne. Qu'est-ce que ça appelle peut-être comme commentaire, comme réponse? Moi, je serais très, très prudent sur l'évolution. Je comprends très bien ce que dit Peter et je le partage en partie. C'est vrai qu'il y a des facteurs de difficulté propres à la période. J'ai cité moi-même les écoles, le journalisme, etc. Mais ma profonde perception dans l'épaisseur de l'histoire, c'est qu'il n'a jamais été facile d'être un grand commis. Moi-même, je vais vous citer 4 exemples de réformes auxquelles je ne croyais pas, auxquelles je pensais que on n'arriverait pas. Et si pour certaines, j'étais aux responsabilités, mais là, pour la plupart, je me suis dit, on n'y arrivera pas. Mais l'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est passé de manière miraculeuse, donnant tort à ceux qui disaient ce pays n'est pas réformable. Le confinement dans le métro, moi qui prends malheureusement le métro assez régulièrement en ce moment, c'est respecté à 99%.
La retenue à la source, que n'avait-on dit avant ? C'est passé. Et telle réforme pénale absolument impossible qui mettait les policiers dans la rue est maintenant rentrée. Donc, je crois, que le pays, comme les grands pays démocratiques, je ne me permettrai pas de parler de la Grande-Bretagne devant Peter, mais quand on regarde les grands États, ils ont une capacité de réforme sous l'initiative souvent de grands politiques, mais aussi de grands commis, qui est au-delà de ce qu'on perçoit nous-mêmes. Et donc, j'ai plutôt espoir que, à condition de laisser émerger les caractères, et ça, c'est la responsabilité des dirigeants, de préparer la succession et de faire monter de ceux qui seront les grands commis, comme ceux qu'a désigné Peter et que moi, j'ai décrit aussi en France. Voilà, je suis raisonnablement optimiste. Je ne suis pas comme un vieil instituteur qui dit chaque année, j'ai eu la pire classe des autres années. Mais moi, je pense que nous allons avoir beaucoup de grands commis formés à l'ENA ou ailleurs, mais j'ai assez bon espoir dans toute l'Europe. Tant pas, je vais me retourner vers la salle ou vers ceux qui nous écoutent nous regardent à travers leurs écrans pour savoir s'il y a des questions. Oui, madame. J'ai une question, c'est une remarque plus qu'une question, c'est que je m'interrogeais sur la question de savoir s'il y avait une expression équivalente en langue anglaise ou éventuellement dans d'autres langues qui correspondrait à ce que nous appelons grand commis de l'État. Et la suite de cette remarque, je crois comprendre qu'il n'y en a pas dans la langue anglaise, mais j'aimerais bien avoir confirmation. Mais ce qui me conduit à m'interroger sur le pourquoi nous, Français, nous avons eu besoin de mobiliser cette expression. Peut-être pour singulariser des personnes, mais pourquoi avons-nous, nous, cette expression si elle n'existe pas ailleurs ? Merci. Je vais peut-être me retourner vers Peter pour savoir si grand commis se traduit en anglais et comment. Mais c'est vrai, madame, vous avez raison. Il n'y a pas une traduction directe de ce terme-là. Le plus proche, c'est peut-être public servant. Public servant, ça donne l'idée de la neutralité, de la probité, de la personne, mais grand commis, non, et ça ne se traduit pas facilement. Senior public servant, mais ça c'est plutôt hiérarchique plutôt que de capter cette idée de force morale que vous avez derrière grand commis, si je comprends bien. Alors c'est vrai que comme souvent entre nos deux langues, il n'y a pas une très bonne traduction de toute la culture qui est derrière cette phrase. Je me retourne peut-être vers Christian Vigouroux, grand commis. Est-ce qu'on sait à quel moment cette formule surgit ? Est-ce qu'elle est... Il me semble qu'elle est très liée à la période quand même de la reconstruction post-guerre. Non, mais je me trompe peut-être, mais à travers quelques très grandes figures dont d'ailleurs la table ronde suivante va parler. Non, je dirais que c'est un oxymore construit par deux termes qui s'autodétruisent, comme si on commençait par dire un grand fonctionnaire, un grand patron, et puis on hésite et on réduit par un coup de frein qui est le mot commis qui est très situé dans l'Ancien Régime. Donc je pense que c'est un peu avant la Deuxième Guerre mondiale que ce concept très, très ambigu en réalité, à la fois vantant la personne qui est qualifiée de grand commis et lui disant de rester à sa place. D'autres questions ? Oui, monsieur ? Oui, moi, c'est une question pour éventuellement les deux intervenants, mais partant sur quelque chose qu'a dit Christian Vigouroux, lorsque vous qualifiez les cinq traits qui caractérisent le grand commis, probité, compétence, intérêt pour ses agents, exacte mesure des exigences qui pèsent sur lui et courage. Et je dirais, au regard de ce qu'ajoutait ensuite Lord Peter Ricketts, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un sixième trait qui est ce que, si j'étais jésuite, je qualifierais d'indifférence ignatienne, à savoir, dans le cadre d'une pression forte, être capable de se débarrasser de toutes les passions tristes, qui peuvent être aussi bien la colère que l'agacement, la jalousie, etc., pour être en mesure de prendre la bonne décision en ajoutant les deux qualités de la raison et de l'intuition. Christian Vigouroux. Et aujourd'hui, plus que jamais, en fait. Je vous rejoins et par un sixième, un septième, un huitième,
qualités. La liste est infinie. Mais ce à quoi vous touchez, c'est la maîtrise de soi, qui pour moi est la base du courage. Parce que la peur qui désagrège les systèmes et les hommes, c'est souvent parce qu'on n'a pas fait ce travail de distanciation. Et le grand commis qui voit loin, qui sait qu'il peut prendre le temps, qui connaît l'échec, mais qui ne lâchera pas, qui reviendra. Je partage ce que vous avez dit et je suis heureux que mon propos trop rapide soit complété utilement par un trait que les grands commis ont spontanément. Ils sont inébranlables. Oui, ils savent laisser passer les tempêtes. Est-ce que Peter Rickett veut compléter ? Simplement pour dire qu'il faut peut-être être un peu prudent de ne pas créer une figure idéale qui est impossible à mettre en œuvre, en fait, effectivement. Bien sûr, toutes ces qualités sont là. En fait, toutes ces qualités sont aussi importantes pour les hauts fonctionnaires plus largement. Si vous dirigez une équipe, même à niveau plus modeste, vous avez besoin des mêmes qualités pour être un bon leader. Pour moi, un grand commis doit exercer ces attributs-là à un niveau élevé et pour être à la jonction entre le monde politique et le monde de la fonction publique, administration. Parce que c'est là, à la jonction entre ces deux mondes, où se créent les tensions, où on a besoin de courage pour parler vrai au niveau politique, même les politiques les plus puissants et peut-être déterminés. Alors, il y a aussi, je pense, cette idée d'exercer ces fonctions à un niveau très rapproché au niveau de pouvoir politique aussi. Merci. Encore une... Pardon, oui, il y a des questions encore qui viennent de... Non ? Si ? Une question effectivement posée par les internautes pour Lord Ricketts. Comment sont formés aujourd'hui les grands commis de l'État au Royaume-Uni ? Lord Ricketts. On forme les fonctionnaires en début de carrière. Je pense que les grands commis se choisissent au fur et à mesure de la carrière. Certains et certaines sortent de leur groupe, de leur formation et remontent plus rapidement et subissent toutes les pressions dont nous avons parlé. Et pour être un grand commis, il faut pouvoir surmonter ces pressions, garder le sang-froid, comme Christian Vigoureux disait. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une formation pour les grands commis, il y a une formation pour les fonctionnaires, et c'est la vie et les pressions de la vie qui va former un grand commis. Mais comme je disais dans ma petite présentation, ça devient de plus en plus difficile, en fait, je pense, dans les situations, la situation actuelle, pour les hauts fonctionnaires de se convertir vraiment en grand commis du type que Christian Vigoureux a décrit. Bien, on va conclure cette première partie de l'après-midi. Je remercie infiniment Lord Peter Rickett, qui nous a, je crois, beaucoup appris sur... à la fois ce que sont ces figures de hauts fonctionnaires britanniques et ce qu'ils sont aujourd'hui. Et j'ai bien noté que... Enfin, on passera le message au ministère des Affaires étrangères pour tenter effectivement de faire en sorte que la mémoire d'Alexandre Cadogan ne soit pas oubliée. Je remercie aussi infiniment... Il le mérite. Il le mérite. Christian Vigoureux. Au fond, je retiens que, quelques évidences. Au fond, il y a une permanence des valeurs requises pour l'exercice du service de l'État au plus haut niveau. Et ces valeurs sont très similaires d'un pays à l'autre. Mais je retiens aussi que finalement, Lord Peter est peut-être un peu plus,
comment dirais-je, inquiet hein, des circonstances dans lesquelles aujourd'hui la haute fonction publique britannique peut être amenée à exercer ses responsabilités, tandis que Christian Vigouroux, mais on sait que c'est un forcené de l'espoir, reste lui extrêmement, comment dirais-je, avec une, précisément une vision historique, tranquille sur le fait que la fonction reste évidemment éminemment actuelle et que ceux qui l'exercent aujourd'hui ou qui l'exerceront demain sauront, comme leurs prédécesseurs, affronter les difficultés, les défis que comporte ce service de l'État au plus haut niveau. Merci infiniment à tous les deux. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et je vais donc maintenant laisser la place à la prochaine table ronde qui est présidée par le président Stiern. Bien, eh bien, bonjour à tous ceux qui sont là et bonjour par la voie numérique à ceux qui nous regardent sur écran. Je suis très, très honoré, très, très heureux d'ouvrir cette dernière table ronde qui vient clôturer cette journée à la fois d'hommage au président Marcellon et de réflexion au travers de sa grande personnalité sur la notion de grand commis de l'État. Cette dernière table ronde va conduire à évoquer quelques très grandes figures et il nous a paru utile quand nous avons réfléchi à l'organisation de la journée qu'après les réflexions d'ordre général que nous avons eues jusqu'à maintenant, il y a aussi une sorte d'incarnation de quelques figures de grands commis de l'État. Alors nécessairement, le choix se tournait vers le passé, un passé récent, mais tout de même vers le passé. D'ailleurs, on voit là aussi une évolution, c'est qu'on pourrait nous reprocher qu'il n'y ait que des hommes dans cette évocation des grands commis de l'État, mais à l'époque que nous regardons, je crois qu'il n'aurait été pas possible, pas encore possible, de trouver une femme. Ça la viendra un peu plus tard et pourra sans doute être évoquée dans des colloques futurs. Alors, je remercie beaucoup les deux orateurs qui m'entourent, Jean-Claude Trichet et Jean-Pierre Duport. Je voudrais également saluer Madame Questio en m'assurant que la liaison est bien établie avec elle, puisque Madame la Présidente Questio ne pouvait pas être présente dans la salle cet après-midi, mais je pense qu'elle est là par écran interposé. La liaison est bien établie ? Oui ? Bon. Normalement, on va la voir, je pense, à l'écran. En tout cas, si elle m'entend, ce que j'espère, je suis également très heureux de saluer la Présidente Question et un petit peu ému de le faire, puisque je n'oublie pas qu'il y a maintenant quand même quelques années, je siégeais sous sa présidence à la section des travaux publics, par une période qui a été une période très, très heureuse de ma vie au Conseil d'État. Alors, les
choix des orateurs sont évidemment très liés au choix des personnes qu'ils vont évoquer. Jean-Claude Trichet va nous parler dans un instant de François Bloch-Lenné. Madame Questio nous parlera du président Larocque et Jean-Pierre Duport de Paul Delouvrier. Je crois que tous les trois, toutes les qualité évidente, n'est pas la peine de le souligner, pour faire les portraits de ces trois grandes figures qui les ont en quelque sorte précédées dans un certain nombre de fonctions ou d'activités. Alors je demanderai à chacun, mais je crois que chacun le sait déjà, de limiter l'exposé oral à une quinzaine de minutes, de manière à ce que nous puissions aussi respecter les contraintes du couvre-feu en fin d'après-midi. Et entendu que l'ensemble des interventions seront publiées par la documentation française et que par conséquent des textes écrits plus longs pourront être donnés. Et je vais tout de suite donner la parole à Jean-Claude Trichet pour évoquer la figure, la personne, l'action de François Bloch-Lenné. Merci, cher président Stirn, chers confrères, si je puis. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'avoir été invité par le Conseil d'État à participer à ce colloque d'hommage à Marceau Long et d'évocation de la notion de grand commis de l'État. Je dois dire que j'avais jusqu'ici une idée très naïve de ce concept, conception qui vient d'être considérablement enrichie par une matinée et un début d'après-midi absolument passionnant. Pour tout dire, je voyais l'ancienne monarchie, l'Empire et la République avoir un besoin considérable, d'hommes surtout, comme vous avez dit, ça aurait dû être aussi de femmes, bien sûr, de talents, pour aider le gouvernement à gérer du mieux possible le pays. Ces fonctionnaires ne devaient pas, dans ma conception, être des aristocrates, ce qui faisait d'eux des commis. Ceux qui étaient appelés à des postes de responsabilité importants devaient être soigneusement sélectionnés sur la base de leur seul mérite, sans népotisme, ce qui donc pouvait leur mériter l'appellation de grand commis, grand dans l'ordre du mérite et grand dans l'ordre des responsabilités. Le mérite personnel, intellectuel, impliquait sa vérification objective par le truchement du concours. C'est ainsi, me disais-je, que deux pays ayant à gérer des populations parmi les plus nombreuses du monde avaient imaginé de recruter les commis de leur gouvernement par concours. Les premiers concours de la fonction publique, sauf erreur de ma part sous l'ancienne monarchie française, généralisés par l'Empire et la République, les examens impériaux des mandarins chinois, à vrai dire du 7e au 20e siècle, ce qui fait beaucoup. Mandarin, le mot est dit. Mais l'histoire n'est pas mon sujet. Je parlais à l'instant de plaisir et d'honneur. Ceux-ci sont redoublés par la tâche qui m'est confiée, celle d'évoquer la très grande figure de l'un de nos grands anciens, de mes grands anciens, François Bloch-Lenné. Ce n'est pas sur l'extraordinaire parcours professionnel de François Bloch-Lenné que je souhaiterais me concentrer. Il me suffit de dire que c'est en 1942, à 30 ans, qu'il va diriger les finances de la Résistance sous le pseudonyme collectif de Bossuet. C'est à 35 ans qu'il devient directeur du Trésor et qu'il œuvre pendant 5 ans à la reconstruction en profondeur du pays et à l'établissement d'un trésor sûr et solide, aussi sûr et solide que possible au lendemain de ce désastre de la Deuxième Guerre mondiale. À 40 ans, il prendra la direction de la Caisse des dépôts pendant 15 ans. Il va en faire un formidable outil au service du développement économique et social de la France. Il deviendra banquier au Crédit Lyonnais et multipliera, à vrai dire, tout au long de sa carrière, mais particulièrement après avoir exercé des fonctions actives, les responsabilités associatives dans les domaines sociaux, culturels, sanitaires et humanitaires. Ce parcours remarquable est bien connu. Ce sont deux autres dimensions complémentaires de l'homme François Bloch-Lenné que je souhaiterais explorer. La conception qu'il avait lui-même du fonctionnaire et du rôle du fonctionnaire, d'une part, et aussi la manière originale dont il perçoit lui-même sa propre identité, d'autre part, car il a beaucoup écrit et beaucoup dit, y compris sur son identité. En premier lieu, quelle est donc la conception du fonctionnaire Bloch-Lenné? Je crois qu'on peut la décliner selon trois dimensions essentielles, l'indépendance, la loyauté et la stricte séparation entre le fonctionnaire et la carrière politique.
la primauté de l'indépendance, pour François Bloch-Aîné, elle doit évidemment s'entendre vis-à-vis de l'argent et des puissances économiques. Il a d'ailleurs refusé des propositions flatteuses du secteur privé très tôt. L'indépendance doit s'entendre aussi, et cela peut paraître quelque peu paradoxal pour un fonctionnaire appelé en tout état de cause à obéir aux décisions du gouvernement légitime de la République, mais bien indépendance vis-à-vis des forces politiques. Il parle évidemment pour lui, qui n'est jamais entré dans la vie politique. Il ne condamne pas pour autant ceux de ses confrères fonctionnaires entrés très tôt et très vite dans la vie politique, qu'il s'agisse de Jacques Chaban-Delmas, de Maurice Bourgès-Monory, Michel Debré ou Félix Caillard. Mais on l'a déjà évoqué ici, sa doctrine est bien établie lorsqu'il refuse, en 1958, la proposition du général de Gaulle de devenir ministre des Finances. Il lui dit en substance qu'il est fonctionnaire, que, comme tel, il servira naturellement le gouvernement légitime de la République, mais il n'ajoute qu'il n'est pas sûr à ce stade de partager le sentiment du général sur deux sujets majeurs, le statut de l'Algérie et la construction européenne. Et c'est la raison pour laquelle il préfère rester fonctionnaire plutôt que de devenir ministre. Selon François Bloch-Aîné, c'est lui évidemment qui parle, le général lui répondit « Je vous comprends et malgré un regret, je vous confirme mon estime ». Cet attachement personnel, particulièrement marqué à l'indépendance de la fonction publique vis-à-vis du pouvoir politique, l'a conduit à porter des jugements complexes sur les régimes successifs. La IVe République le désolait dans la mesure où l'instabilité gouvernementale avait des inconvénients redoutables s'agissant de la conduite des affaires. La contrepartie en était une grande liberté donnée aux fonctionnaires. Au total, François Bloch-Aîné résume, et je cite, « Nous étions des gens libres, à certains égards puissants, mais infirmes. » Les débuts de la Ve République, en particulier dans le courant des années 60, ont été de son point de vue une sorte de combinaison idéale parce qu'une relative liberté politique de la fonction publique était préservée, tandis que la stabilité des institutions, du président, du gouvernement, permettait d'avoir plus d'efficacité dans la conduite des affaires. Il observe que dans cette décennie, ses propres interventions auprès du général de Gaulle pour plaider la cause de hauts fonctionnaires d'opposition étaient souvent couronnées de succès. Son plaidoyer était très britannique. Je pense à ce que nous venons d'entendre de Lord Ricketts à l'instant. Il faisait valoir que le souverain républicain français, je cite, devait se soucier de la qualité de l'opposition de Sa Majesté, je cite également, presque autant que celle du gouvernement de Sa Majesté. Ce sont ses propres mots. Il pense avoir eu gain de cause, je l'ai déjà dit, ayant souvent été mieux écouté, selon lui, par le maître, le général de Gaulle, que par ses collaborateurs. Ce sont les années 70, celles qui caractérisent la Ve République sans de Gaulle, qui marqueront, selon lui, la dégradation de cet équilibre et une tendance à politiser la fonction publique, tout particulièrement la haute fonction publique. Pour lui, depuis les années 70, nous serions dans une situation anormale dans laquelle l'homme politique et le grand commis de l'État tendent à se confondre, alors qu'il est essentiel de les considérer comme fondamentalement distincts, bien que complémentaires. Il, je le dis ici au Conseil d'État, il s'engagera d'ailleurs avec Bernard Tricot dans une importante campagne pour dépolitiser la fonction publique. Ils seront conduits l'un et l'autre à faire un ensemble de recommandations comportant en particulier une définition plus précise du devoir de réserve, une déontologie plus rigoureuse avec des jurys d'honneur, la limitation du nombre des mandats de cabinet ministériel, l'interdiction du retour dans la fonction publique des fonctionnaires ayant décidé de commencer une carrière politique lorsqu'ils ne sont pas réélus. Sur le modèle, si j'ai bien compris, du service public britannique, ainsi qu'un contrôle sévère des entrées autour d'extérieur. Comme on le voit, certaines de ces recommandations étaient audacieuses, sont toujours audacieuses, à vrai dire, et ne sont pas appliquées. François Bloch-Aîné est conscient du risque potentiel associé à une stricte séparation entre la sphère politique et la fonction publique, libre et indépendante. Certains pourraient penser, dit-il lui-même, qu'une administration trop indépendante risquerait de devenir une cléricature d'État dans l'État et de s'approprier l'institution. Il ne nie pas le risque, mais il pense qu'il est moindre que celui de l'absence d'indépendance. Pour François Bloch-Aîné, le fonctionnaire, donc, les choses sont claires. La fonction publique doit être indépendante, elle doit être loyale, elle doit être strictement séparée de la carrière politique. Que peut-on dire de François Bloch-Aîné, l'homme ?
Ses méditations sur son identité sont profondes, émouvantes et inséparables de sa vie professionnelle, de ses engagements, de ses responsabilités. Il se définit selon quatre dimensions. Il se définit comme un bourgeois, un demi-juif, un chrétien avec un penchant à gauche. Il décline, je dois dire, admirablement dans ses écrits chacune des dimensions de son identité avec beaucoup de sincérité. Le bourgeois ne renie pas sa bourgeoisie. Il l'accepte complètement, il l'assume aussi, clairement, de peur de tomber dans cette haine de soi qui peut conduire à l'extrémisme. Mais il lui arrive souvent d'éprouver des colères qui le désolidarisent de son milieu social, en pensée, en propos et en acte, je cite, ce qui le conduit à avoir aussi une dimension provocatrice au sein de son milieu. Le demi-juif, dont le double nom de famille, dit-il, signale la généalogie, s'était à peine aperçu qu'il l'était jusqu'à la défaite de 40. Son assimilation et celle de sa famille étaient totales. Catholique actif, il appliquait, selon lui, le programme voulu pour sa famille par sa grand-mère maternelle, convertie au catholicisme dans les années 1880. La guerre et les persécutions lui font découvrir qu'une partie de sa famille est juive. Ses réflexions personnelles sont d'une très grande sincérité, d'une grande audace intellectuelle aussi, d'assimiler, presque provocatrice lorsqu'il commente avec sévérité le concept de peuple élu. Un dernier mot sur cette dimension de l'identité de François Bloch-Lenné. Je suis ici au Conseil d'État. Il est cruel sur l'inspection des finances, corps auquel il appartient. Il explique que si l'inspection n'avait pas pratiqué d'épuration consécutive aux lois raciales de Vichy, c'était tout simplement parce que Jacques Rueff était dans ce corps le seul juif au sens des lois raciales et qu'il se trouvait que son épouse était la filleule de Pétain. Il note que le Conseil d'État, lui, avait eu à subir l'épuration parce qu'il avait été, avant la guerre, beaucoup plus ouvert que l'inspection des finances. Le chrétien, donc c'est sa troisième dimension, est né catholique, n'est tenté ni par l'athéisme ni par l'agnosticisme. Il est chrétien tout simplement. Il dit, je le cite, « Il en va pour l'Église et ses ouailles, comme pour la France et les Français, j'en suis, comme on dit, indéfectiblement, sans épouser nécessairement toute leur histoire, toutes leurs histoires. » C'est donc que le chrétien est lui-même avec beaucoup d'interrogations sur les dogmes. Il n'est pas sans critique à l'égard de l'Église. Le penchant à gauche, enfin, on aurait pu imaginer une certaine réticence de la part de François Bloch-Lenné à élaborer trop sur ses préférences politiques. Après tout, son éloge de la stricte séparation entre l'homme politique d'une part et le haut fonctionnaire d'autre part pouvait le conduire à être peu disert sur les choix politiques du citoyen Bloch-Lenné. À vrai dire, c'est un peu comme ça qu'il présente les choses. La classification à droite ou à gauche, je le cite, des serviteurs de l'État qui ont pu longtemps opter au jour le jour pour des solutions dites de droite ou de gauche. Et je dois dire que beaucoup de hauts fonctionnaires se reconnaissent assez bien dans cette qualification. Apparaît souvent, dit-il, comme arbitraire, mais on n'a pas trouvé de qualificatif plus commode pour repérer les sensibilités et les positions. On sent néanmoins une certaine réserve dans l'expression de ses préférences, comme en témoigne le fait qu'il attribue d'abord, curieusement, au général de Gaulle le fait de l'avoir repéré fin 58 comme étant « à gauche », entre guillemets. Il s'agissait alors du programme de redressement financier qui était, selon Paul de Louvrier, dont on va parler, qui rapporte les propos du général lui-même, approuvé par Jacques Rueff à droite et approuvé par François Bloch-Lenné à gauche. François Bloch-Lenné indique à cet égard qu'il ne voyait pas très bien pourquoi le général de Gaulle le classait à gauche, puisqu'après tout, il avait été fonctionnaire sous les ordres de Robert Schuman, Maurice Petsch et Pierre Fimelin, qui n'étaient pas particulièrement des hommes de gauche. Mais il convient que c'était probablement son adhésion au mendésisme de 54 qu'il avait marqué comme étant plutôt de gauche. C'est, je crois, vraiment ce penchant à gauche qui fait la quatrième dimension de son identité. Nous dirions aujourd'hui que le citoyen François Bloch-Lenné était résolument, politiquement et culturellement de centre-gauche, sans dogmatisme et sans hostilité à l'égard de ceux qui se trouvaient soit à sa gauche, soit à sa droite. Il note d'ailleurs avec amusement, un certain nombre d'entre nous ont pu aussi faire la même constatation, qu'il avait souvent trouvé au cours de sa vie soudainement et abruptement à sa droite des gens qui avaient été dans un passé parfois récent beaucoup plus à gauche que lui. C'est sur cette note que je souhaiterais conclure, Monsieur le Président.
François Bloclet, l'homme, n'est pas seulement extraordinairement actif au service de l'État, de notre pays et de notre société civile, comme on dit aujourd'hui, il est aussi constamment réflexif et critique vis-à-vis de son milieu, de sa famille, de sa religion et de ses engagements de citoyen. C'est aussi cette posture intellectuelle et personnelle qui fait, je crois, de François Bloclet-Ney un très grand commis de l'État. Merci. Merci infiniment de ce très bel exposé, hein, vraiment absolument passionnant pour à la fois l'illustration de la notion de grand commis de l'État, telle que François Bloclet-Ney l'a définie. Je me souviens évidemment de son livre Profession fonctionnaire, où il exprime beaucoup de ses idées. Et puis pour ce que vous avez dit avec tellement de subtilité, de finesse sur sa personnalité, ce qui était peut-être moins connu, mais dont vous nous avez fait vraiment, je trouve, ressentir très, 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 très profondément les grandes et les belles caractéristiques. Alors, je vais maintenant me tourner vers Madame Questiau, Madame de Grimoire, qui a veillé depuis le début à la bonne organisation de toute notre journée, m'indique que la liaison numérique est un peu défaillante avec Madame Questiau. J'espère qu'elle m'entend. Elle apparaît à l'écran. Madame la Présidente, nous vous voyons. Nous sommes très, très, très heureux. Et il y a peut-être, je ne sais pas si le son fonctionne bien, si vous m'entendez vous-même bien. Parfaitement, je vous entends, Monsieur le Président. Bon, très bien. Alors, nous vous entendons également aussi, et nous vous voyons très, très bien. Et je suis à la fois infiniment heureux et extrêmement honoré, Madame la Présidente, de vous donner la parole pour évoquer la figure de Pierre Larocque. Beaucoup d'entre nous voient encore dans cette salle d'Assemblée générale, dont il était un peu comme l'incarnation lui-même. Je me souviens de ce qu'avait dit le président Chenot à la dernière séance d'Assemblée générale c'est le président Chavanon. Dernière séance d'Assemblée générale du président Larocque. Il avait dit ce soir, nous avons l'impression que le Conseil d'État quitte le Conseil d'État. Quand le président Larocque quitterait cette maison après sa dernière séance. Et je crois que nul mieux que vous, Madame la Présidente, ne peut faire revivre un instant dans cette salle d'Assemblée générale la grande figure du président Larocque. Monsieur le Président, j'ai été presque étonné qu'on me demande de parler de Pierre Larocque, tant il y a parmi nous de collègues qui ont davantage que moi travaillé sous sa direction. Je ne fais pas partie de tous ceux qui y étaient avec lui à la première sous-section du contentieux ou à la section sociale. Mais en fait, pour celles qui vous parlent aujourd'hui de lui, Pierre Larocque n'est pas un grand commis, c'est d'abord pour moi et avant tout un maître. Mon chemin croise le sien parce qu'il enseigne. Le cours de politique sociale que j'écoute à Sciences Po, quelques années après la fin du conflit mondial, me met en présence, me donne comme professeur le créateur de la sécurité sociale. Bon, tout est bel, ils offrent un monde dont j'ignore tout, je découvre l'existence des problèmes sociaux. Ils s'inscrivent dans un ensemble de démonstrations limpides, cohérentes, qui m'expliquent pourquoi, après la guerre, ma génération sera à l'abri du besoin. Nous étions une génération qui prenait une sorte de message au premier degré. En tout cas, l'influence sur l'élève sera considérable et définitive. Pour moi, les questions sociales resteront centrales. Elles peuvent, ai-je appris, à déboucher sur des solutions. Et parmi les acteurs du progrès, à côté des forces sociales en présence, il y a l'acteur public qui, au nom de l'intérêt général, va fournir un arbitrage. Nous voilà donc arrivés, par ce biais détourné au grand commis, car ce qui a fait la force de ce message, c'est bien entendu ce que ce professeur avait fait. Simplement, je fais une digression avant d'aborder la carrière de Pierre Larocque pour insister sur le fait que dans notre système à la française, l'esprit de service public fait grand cas de l'enseignement et de la transmission. Même dans la carrière de Pierre Larocque, dès l'année 30, où il entre au Conseil d'État,
Il continue à former des jeunes et il l'a fait pendant une longue période où il était tout le temps incroyablement occupé. Bon, on me demande donc si ce maître, pour moi, est un grand commis pour tout le monde. Au fond, sa carrière est à l'origine très typique du Conseil d'État, avant la guerre comme après la libération. Celui qui s'y penche retrouve une familiarité et une continuité. Il entre au Conseil d'État très jeune, mais déjà avec une réputation. Il a été distingué à la faculté de droit, il est reçu premier au concours. Le jeune éditeur ou maître des requêtes, il va être à temps plein ou contentieux, mais aussi tâter simultanément de travaux dans les administrations et même les cabinets ministériels. Il y acquiert une expérience approfondie dans le domaine des assurances sociales. Mais ce qui le rend original, c'est ce qu'il tire de ses contacts avec les politiques, notamment le ministre Landry. Et ça n'est pas un penchant pour la politique, mais des idées fortes dont certaines ne le quitteront jamais. Je, par exemple, l'importance des problèmes de population. Il a donc cru au social avant la guerre, mais pas seulement. Il semble qu'il aimait bien les PTT et il se retrouve même utilisé après la défaite par un ministre, Belin, pour travailler au montage des comités d'organisation de l'économie qui devaient distancer l'économie française de l'influence de l'occupant. Donc ce haut fonctionnaire, brillant mais encore classique, va devoir faire face à une rupture totale dans son existence. Du jour au lendemain, parce qu'il a trois grands-parents juifs, il est viré du Conseil d'État. Il se retrouve sans moyen d'existence. Il ne doit qu'à quelques relations chez les soyeux de Lyon de subsister. Cela jusqu'au moment où, après plusieurs tentatives infructueuses, il trouve le moyen de rejoindre la France libre à Londres. Il faut insister sur ces périodes parce que le président Larocque va jouer un rôle original et significatif dans la préservation de ce qu'on pourrait appeler une France de rechange, de cet état virtuel derrière la France libre et dans la préparation administrative du rebarquement. Ses proches m'ont dit que ce fut pour lui beaucoup plus important que l'éventuelle lecture de Beveridge. En effet, le témoignage de Crémaux-Briac dans Hommage à Pierre Larocque montre comment s'est déployé sa très bonne connaissance des rouages de l'administration dans un travail de conviction quasi quotidien mené auprès des autorités alliées, plus particulièrement des militaires britanniques. L'enjeu fut crucial pour notre pays. Et lorsqu'il participe au débarquement de Normandie, assis sur la caisse de billets de banque nécessaire au financement des premiers pas de l'administration en zone libérée, Pierre Larocque le sait parfaitement. Pendant cette période, il a peut-être lu Beveridge, mais le projet pour la France du Conseil national de la Résistance, s'il avait énoncé un plan français pour la sécurité sociale, n'en avait pas du tout dessiné les linéaments. Toujours est-il qu'au retour, Pierre Larocque n'est pas ministre, mais il va être vraiment la cheville ouvrière du plan de sécurité sociale. Il construit tout cela de ses mains, comme l'élève de l'ENA le sera dans les années 50, parce que la section sociale est alors animée par des maîtres de conférence qui sont chefs de bureau du ministère. Pierre Larocque a bien pesé de toutes ses convictions, poussant à la solution la plus générale possible, militant pour l'extension du système à de nouvelles situations. Mais à chaque pas, d'après du moins ce qu'on m'a dit, il rappelait qu'il fallait le faire avec l'apport des administrés. Il va allier donc une imagination avec l'utilisation inventive de ce qui existait avant la guerre. Voici comment, dès 1946, il dessine la fresque. Issu de mes travaux des années écoulées, de mes expériences vécues et des recherches que j'avais été appelée à faire pour la préparation de mes enseignements, une préoccupation de base est celle de débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain, de cette incertitude génératrice chez eux, d'un complexe d'infériorité paralysant l'expression de leur personnalité et origine réelle de la distinction des classes entre les possédants, sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir, et les non-possédants, constamment sous la menace de la misère. Mon souci est donc d'atteindre à plus de justice sociale, à réduire les inégalités existantes entre les hommes sur le plan de la sécurité du lendemain. Tous les documents disponibles permettent un fascinant rapprochement entre cette vision des objectifs
et les moyens pratiques que le directeur de l'administration met en œuvre. Il les a décrits et on voit que ça va très vite. On croirait que les acteurs fonctionnent s'ils devaient préparer les Jeux Olympiques. Et Pierre Larocque suscite chez tous ses collaborateurs la volonté d'agir aussi efficacement que lui-même. On verra qu'il n'a fait face à aucune objection de fond sur le plan politique. On a seulement discuté de structure. Il n'est pas parvenu à aller aussi loin qu'il le voulait en termes de généralisation. Mais les ministres ne l'entravent pas. Ambroise Croizat, qui lui qualifie au début de mur, ne tarde pas à avoir avec son directeur de très bonnes relations. En tout cas, c'est fait. Et en 1951, Pierre Larocque demande à revenir au Conseil d'État. Tout le monde connaît ici, beaucoup de gens qui écoutent sans doute connaissent la suite, ce retour, ces présidences admirées et redoutées à la première sous-section et à la section sociale. Est-on un grand comique quand on fait du contentieux? En tout cas, Pierre Larocque dira qu'il n'a jamais tant aimé son travail que quand il animait ce groupe d'une douzaine de personnes que constitue une sous-section. D'une part, dit-il, la possibilité de conjuguer l'instruction complète d'une affaire et de la mener à son terme en proposant des solutions par un projet de décision se prononçant à la fois en fait et en droit, au fond et en la forme, apporte sur le plan intellectuel un sentiment d'achèvement et de bien-être. Et d'autre part, l'intérêt vient des relations de travail qui se créent dans ce qu'il appelle une communauté de formation et d'activité. Nous disposons de beaucoup de témoignages de ceux qui faisaient partie de cette communauté, situation qu'il recréera entièrement à la section sociale. On croirait entendre le président parler lorsque Daniel Abtoul évoque sa manière inimitable de traiter une affaire. Et Pierre Laurent va plutôt tenter de retrouver les règles, la méthode intellectuelle de celui qu'il considérait vraiment comme un maître à penser. Le même témoignage de reconnaissance apparaît chez les anciens de la section sociale, Bernard Jouvin, Colette même, disent comment le président, avant chaque affaire, ne manquait jamais de mettre le rapporteur à jour des difficultés et de mobiliser les capacités de chacun. Bernard Jouvin en sourit. Le président, qui était toujours prêt à sévir contre les erreurs juridiques avec la dernière énergie, était également prêt à absoudre ceux qui avaient pu commettre des erreurs, dès qu'il voyait en eux des alliés implicites de ses vues, c'est-à-dire des personnes qui avaient comme lui le souci d'ordonner l'évolution inéluctable de la société dans le sens du bien commun et de la justice. En tout cas, la section sociale trouva à l'époque de sa présidence une sorte de roc pour toutes les administrations sociales, dont, comme vous le savez, la part dans la puissance dans l'administration n'était quand même pas la plus forte. Revenons sur quelques exemples marquants de son inventivité. Jamais sans défaut, qu'il s'agisse sur un dossier de naturalisation au rapport de Jacques Fournier, de lancer le principe du droit de l'étranger à une vie familiale normale, ou de présider une commission de la vieillesse, dont les conclusions ont marqué notre génération. Je l'entends encore à cette présidence, découvrant comme nous que le vieillissement est un processus qui commence dès l'adolescence, alors il traduit cette donnée en principe, en développant une argumentation anti-discrimination des vieux. Il la décline aussitôt en objectif concret, pour l'âge de départ en retraite, pour le revenu, pour le mode de vie. Était-il un grand commis? Bien sûr, tout le monde le pense. Mais il n'est pas habituel d'être licencié en cours de parcours pour devenir ensuite, et de ce fait, artisan de la reconstruction juridique et politique de notre pays. Et ceci en étant le père de cette invention administrative qui est encore aujourd'hui facteur déterminant de notre cohésion sociale. Et pourtant, il fut, malgré ses facteurs d'exception, assez représentatif du Conseil d'avant et de celui d'après. Et pourtant, il fut, quoique membre d'une élite, constamment au fait des conséquences pratiques des réformes sur le mode de vie des administrés. En réalité, je vais lui laisser la parole, il parle mieux de lui-même. Dans « Au service de l'État et du droit », trois idées sur l'État et la démocratie. Premièrement, l'intérêt général existe et implique une vision déterminée de l'avenir des problèmes qui vous sont confiés. Deuxièmement, les fonctionnaires sont des hommes et des femmes comme les autres. Il leur faut constamment
et de toutes les manières rester proches du citoyen qu'ils ont à servir. Troisièmement, enfin, il faut savoir faire preuve d'indépendance d'esprit et d'action. Cela n'interdit pas d'avoir ses références politiques, mais elle ne doit pas influencer l'exercice des responsabilités. Quand je réfléchis après vous, et tant de choses intéressantes ont été dites sur les relations d'un grand commis avec la politique, je sais à quoi moi je pense. Pendant la brève période où j'ai été ministre, 80-82, j'avais en charge la réforme des retraites, et donc la retraite à 60 ans en 1981. J'avais profité de mes pouvoirs de ministre pour attribuer au président Larocque un bureau dans le ministère. Croisons mes pas un jour, il m'entreprend, et c'est pour me parler, que dis-je, me sermonner avec le talent qui était le sien, pour cette prise de position sur l'âge de la retraite, contraire aux préconisations faites par la commission de la vieillesse tant d'années plus tôt. Je me souviens de mon embarras, de ma timidité, lorsque je tentais de faire prévaloir, pour tenir une promesse de campagne, le point de vue d'une génération entrée très tôt sur le marché du travail. Je n'ai pas convaincu, mais la tendance à long terme nous a, semble-t-il, rattrapés. En tout cas, le président Larocque ne l'avait pas perdu de vue. Une vie comme celle de Pierre Larocque ne se résume pas au terme de grand commis. Et je ne crois pas qu'il l'ait employé dans ses écrits autobiographiques. Ceux-ci subsisteront car l'auteur recourt au ton à la fois résolu et modeste de celui qui veut aider l'historien futur. Et il lui propose à cet historien une image du service public incroyablement vivante, inséparable d'un service du public, très caractéristique de la tradition culturelle de la France, mais à laquelle le président Larocque accordait bien volontiers une portée universelle. Je vous remercie et j'espère que malgré mon caractère malhabile de l'utilisation des nouvelles technologies, vous m'avez entendu. Merci. Merci infiniment, Madame la Présidente. Ça a très bien fonctionné. On vous entendait très bien. Et je veux dire que ça a été, je pense, pour nous tous, un moment d'émotion de vous entendre, même à distance. Nous aurions bien sûr beaucoup préféré que vous puissiez être là, mais vous entendre à distance évoquer de manière aussi riche la personnalité, la vie, l'action du président Larocque, c'était pour nous tous un moment à la fois très très passionnant et sincèrement très 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 émouvant. J'espère que vous continuez à bien nous entendre et à pouvoir suivre la suite et la fin de cette table ronde. Je vais me tourner vers Jean-Pierre Duport pour le dernier portrait qui va nous être présenté, donc qui est celui de Paul Delouvrier, que aussi Jean-Pierre a occupé certaines des fonctions que Paul Delouvrier a occupées dans sa vie, notamment celle de préfet de la région Île-de-France. Et Jean-Pierre, vous présidez aujourd'hui l'Institut Paul Delouvrier. Et je vous donne donc avec grand plaisir la parole. Merci, Président. Merci à Martine de Boisdeff et à l'ensemble des organisateurs de m'avoir invité à ce colloque pour les deux motifs que Bernard Stien vient de rappeler, d'avoir été quelques années après le successeur de Paul Delouvrier à la préfecture d'Île-de-France et aujourd'hui de présider l'Institut de Paul Delouvrier, qui vise à faire vivre, non pas à commémorer Paul Delouvrier, mais à faire vivre les idées qui ont été les siennes. Je voudrais commencer par quelques remarques préalables. Je voudrais d'abord noter que si les trois grands commis de l'État dont nous parlons cet après-midi ne sont pas exactement de la même génération, ils ont tous œuvré dans la période de la reconstruction de notre pays après la Deuxième Guerre mondiale, sous la Quatrième République et sous les débuts de la Cinquième République. Je voudrais également souligner qu'à cette époque, le poids des hauts fonctionnaires face au pouvoir politique, sous la IVe République en particulier, était tout à fait considérable. Ce qui me permettra de citer une femme, Bernard Stiern l'évoquait tout à l'heure, tout le monde sait que la politique culturelle de la IVe République a été faite par une femme, Jeanne Laurent,
qui a mené la politique culturelle depuis la sous-direction, je crois, qu'elle dirigeait au sein de ce qui était à l'époque le ministère des Beaux-Arts et où elle a eu un rôle tout à fait considérable. Je pense que Jeanne Laurent était un grand commis, une grande commis de l'État. Je voudrais également, dans ces remarques préalables, rappeler les liens forts entre le général de Gaulle et de nombreux hauts fonctionnaires. Il est vrai que le général de Gaulle ne se préoccupait pas des militantismes du soir. Jean-Claude Trichet l'a un peu évoqué tout à l'heure, et tout le monde connaît la phrase du général de Gaulle à propos du club Jean Moulin, où on le faisait la remarque que beaucoup de hauts fonctionnaires ayant des responsabilités étaient membres du club Jean Moulin, et il avait répondu « Peu me chaud de ce qu'ils font le soir dans leur réflexion personnelle, du moment qu'ils me servent loyalement et qu'ils servent loyalement la République dans la journée. » Christian Vigouroux m'a brûlé parce que je comptais également, dans mes remarques préalables, rajouter que le grand commis de l'État, c'était un très bel oxymore. En effet, le Larousse dit qu'un commis, c'est un employé subalterne chargé de la vente dans une maison de commerce ou des écritures dans une administration ou une banque. Pourrait-il être grand ? En tout cas, cet oxymore pour moi a un sens, ce qui m'est l'occasion de rajouter un commentaire sur des remarques qui ont été faites à la fin de la matinée à propos du corps préfectoral et des préfets. Pour moi, un préfet n'est pas par essence un grand commis de l'État. Il y a des préfets qui sont des grands commis de l'État. Il y a des préfets pour lesquels je ne leur appliquerai pas immédiatement ce qualificatif. Les trois hommes dont nous parlons ont illustré de manière la plus éminente le service de l'État et, au-delà de l'État, celui de l'intérêt général. Ils ont promu le concept de développement global et étaient associés, tous les trois, à la construction de l'Europe. Paul Delouvrier est né le 25 juin 1914 à Remiremont, ce qui explique peut-être son attachement à la construction européenne. Sa formation est classique pour un haut fonctionnaire, Sciences Po, le concours de l'Inspection générale des finances dont il sort major. Plus marquant, et je voulais insister un tout petit peu sur ce point, pour son parcours personnel et professionnel, l'école des cadres d'Uriage. Conçue en 1940 comme l'école des cadres de la Révolution nationale, elle deviendra une pépinière de résistants et d'inspirateurs et de cadres de l'après-guerre sous l'influence du capitaine Pierre Dunoyer de Segonzac. Il est vrai que le bureau d'études de l'école était animé par Hubert Beveri, le fondateur du Monde, Emmanuel Mounier, le fondateur d'Esprit, et Geoffre Dumazedier, le fondateur de Peuple et Culture, au moment où on commence à reparler de temps à autre d'éducation populaire. Le nom de Geoffre Dumazedier pourrait être évoqué avec beaucoup d'intérêt. C'est là que s'est forgé le caractère de Paul Delouvrier sous l'égide du catholicisme social et du personnalisme. L'école sera dissoute à la fin de 1942. Paul Delouvrier ne tardera pas à entrer dans le maquis. La vie professionnelle de Paul Delouvrier peut se caractériser par trois mots : fidélité, engagement, service. Fidélité aux hommes et tout d'abord à Jean Monnet, plus tard au général de Gaulle. Entre 1945 et 1958, ces deux fidélités auraient été difficilement conciliables. Engagement. Engagement pour la reconstruction de notre pays après 1945 et pour la construction de l'Europe. Service. Paul Delouvrier n'a jamais refusé les missions souvent les plus difficiles qui lui furent confiées, plus particulièrement par le général de Gaulle, l'Algérie, la région parisienne, l'énergie nucléaire. Paul Delouvrier, après avoir dirigé le cabinet de René Pleven à la Libération, au moment du choix, je ne reviendrai pas dessus, c'est anecdotique par rapport au thème de ce colloque, entre les orientations proposées par Pierre Mendès France et celles qui ont été retenues, proposées par René Pleven. Il fait partie de la première équipe qui, autour de Jean Monnet, crée le commissariat général du plan. Il y dirige la division financière. Jean Monnet, un homme d'entreprise, mais qui a un sens profond
de l'intérêt général au service duquel on doit s'engager sans compter. Je me permettrai une anecdote, je me permettrai de terminer d'ailleurs aussi par une anecdote. On connaît dans la famille de l'ouvrier l'épisode du mariage. Au mariage de Paul de l'ouvrier, Jean Monnet est arrivé avec une masse de papier et il a dit « Paul, est-ce que vous pourriez me faire une note de synthèse pour demain matin ?» Paul de l'ouvrier a essayé de lui expliquer que les circonstances n'étaient peut-être pas éminemment favorables et Jean Monnet, avec la douceur, paraît-il, qui était la sienne dans ces moments, a dit mais Paul, c'est uniquement pour demain matin. Hein. » Il a effectué ensuite 3 passages au cabinet de René Meyer, ministre des Finances, puis brièvement président du Conseil. Fonction que Paul de l'Ouvrier articule, ce n'est pas fréquent par les temps qui courent, avec le poste de directeur général adjoint des impôts, où il participe auprès de Maurice Lauré à la création de la TVA. Son engagement européen le conduit à être secrétaire général du SGCI, qui venait d'être créé, avant que Jean Monnet ne l'appelle à Luxembourg, où il sera à la tête de la division financière de la CECA. Il y invente la Banque européenne d'investissement, dont il sera vice-président. Le 19 décembre 1958, il est nommé délégué général du gouvernement en Algérie. René Brouillet et Georges Pompidou ont proposé au général de Gaulle son nom. La mission est lourde, redonner le pouvoir aux civils, mettre en œuvre le plan de Constantine. La justification de l'acceptation de cette mission, alors qu'il croit à l'indépendance de l'Algérie, au cours d'un entretien, le général de Gaulle a une remarque sur l'indépendance de l'Algérie, répondant à une question de Paul de l'Ouvrier, il lui répond « à 20 ans ». Mais il ne l'exclut pas, Paul de l'Ouvrier, à la ligne directrice. Ce dialogue illustre le fondement de l'action de Paul de l'Ouvrier, le lien direct fondé sur la confiance avec le chef de l'État. La mission est là, claire, restituer le pouvoir aux civils face aux militaires. Dans le livre de Roselyne Chelu, « Paul de l'Ouvrier ou la passion d'agir », Paul de l'Ouvrier cite ce dialogue avec le général de Gaulle. Question de Paul de l'Ouvrier, quel est le sens d'avoir autorité sur le pouvoir militaire? Réponse, c'est le sens du commandement quand on le prend. Paul de l'Ouvrier l'a pris en luttant contre la torture, contre les corvées de bois, en assurant ses responsabilités pendant la semaine des barricades, jusqu'à donner l'ordre de tirer, avec le ferme espoir que l'ordre n'aura pas à être exécuté, ce qui fut le cas. Paul de l'Ouvrier rentre à Paris fin novembre 1960, après avoir vécu une situation compliquée entre un président de la République et un Premier ministre, Michel Debré, qui n'était pas toujours, loin s'en faut, sur la même ligne. Revenant sur cette période, il nous délivre quelques messages qui contribuent, pour moi, à la définition d'un grand commis. J'en retiendrai 3. L'indépendance du fonctionnaire, c'est un principe de base, servir l'État sans s'asservir au pouvoir. C'est une remarque d'ailleurs que j'ai trouvée dans les mots de Lord Ricketts tout à l'heure. Deuxième message, le service de l'État, c'est cela. Tout en n'étant pas d'accord, faire des choses et prendre sa part de responsabilité dans la mesure où cela n'oppose pas de cas de conscience. L'idéal serait un technocrate humanisme. C'est peut-être un peu ce que souhaitaient les hauts fonctionnaires qui étaient membres du club Jean Moulin. En août 1961, un nouveau défi est offert à Paul de l'Ouvrier, la région parisienne. Il est nommé délégué général au district de la région de Paris. Il ne s'agit plus de rétablir l'autorité des civils sur les militaires, mais d'affirmer la présence de l'État dans la région capitale. Paul de l'Ouvrier se refuse à être, ce qui est pourtant sa mission de départ, l'exécutif des élus. Pour ce faire, il pose 2 questions. Pouvoir réunir fonctionnaires et experts, être présent au Conseil et comité interministériel relatif à Paris. C'est pour lui indispensable pour atteindre l'objectif fixé par le général de Gaulle, pardon pour cette vénérable institution et cette vénérable salle, de l'ouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. La phrase est, semble-t-il, historique. Au départ, pour développer une Île-de-France sous-administrée, Paul de l'Ouvrier n'a pas de pouvoir au pluriel en propre, il va prendre le pouvoir au singulier. Un discours de la méthode. Le 10 juillet 1964, la loi consacre la naissance de 8 départements et la création de la région de Paris. Il constitue
une équipe avec des hommes choisis par lui, Jean Millier, Jean Vaujour, les préfets des nouveaux départements qui lui devront tous leur casquette, Claude Boitel, Henri Bourret, Paul Camus, Lucien Lanny, entre autres. Il multiplie les initiatives. Il crée l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, le lieu de la pensée. Il crée la FTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, pour assurer la maîtrise foncière du développement de la région. Il met en place les équipes de préfiguration des villes nouvelles, et c'est là l'action opérationnelle. Vous noterez que, même si l'IAURP a changé de nom, même si la FTRP est devenue Grand Paris Aménagement, tous ces organismes existent toujours, sous des noms transformés, même s'il ne subsiste aujourd'hui que deux villes nouvelles, Marne-la-Vallée et Sénart. L'équipe de Paul Delouvrier a une production considérable. Le schéma directeur de 1964, qui inspire toujours l'aménagement de la région parisienne, le RER, sur lequel repose toujours notre système de transport en commun francilien et qui y reposera jusqu'à la mise en service du métro du Grand Paris. De 1961 à début 69, Paul Delouvrier portera la politique de développement et d'aménagement de l'Île-de-France, malgré des rapports difficiles avec le pouvoir politique, avec Georges Pompidou, poussé par certains élus RPR, avec Albin Chalandon. La recette de cette réussite, la volonté de maintenir le cap fixé, mais avec de la souplesse dans la mise en œuvre. Il acceptera la suppression de deux villes nouvelles à la demande d'Albin Chalandon, et surtout le lien direct avec le président de la République. Ce lien lui permettra d'obtenir son maintien jusqu'à février 1969, date de départ à la retraite du président d'Électricité de France, Pierre Massé, qui souhaitait en faire son successeur. Il reçoit du général de Gaulle une nouvelle mission stratégique, le développement de l'énergie nucléaire, avec là aussi une confidence du chef de l'État qui permet à Paul Delouvrier de donner un cap à sa mission. De l'ouvrier, il faudra construire une usine de séparation isotopique européenne, usine nécessaire à la production d'uranium enrichi. Paul Delouvrier quittera EDF en 1979. Valéry Giscard d'Estaing lui demande alors de conduire un nouveau grand projet, la transformation du site des abattoirs de la Villette en un musée des sciences et techniques et une cité de la musique et un parc. Pour mener à bien ce projet, il bénéficiera du soutien plein et entier de Valéry Giscard d'Estaing et, après lui, de François Mitterrand. Tout le monde peut constater aujourd'hui que c'est une réussite qui a transformé le nord-est de Paris et sa proche banlieue. Dans le même temps que ces deux dernières missions, je n'aurai garde d'oublier le rôle qu'aura Paul Delouvrier comme président du plan construction, ou avec Robert Lion notamment, puis ensuite avec Jean-Michel Bloch-Lenné, le fils de François. Il soutiendra avec vigueur une politique d'innovation dans le domaine de la construction et de l'architecture. Les grands architectes français d'aujourd'hui ont tous été formés dans le creuset des programmes Architecture Nouvelle du plan construction. Tel a été le parcours de Paul Delouvrier. Mais peut-on être un grand commis de l'État si l'on n'est pas un citoyen engagé ? Engagé, Paul Delouvrier le fut notamment dans le domaine de la jeunesse. Il fonda Éducation et Échange, créa le foyer international d'accueil de Paris, le FIAP, qui existe toujours, soutient l'action de Philippe Vianney au Glénan, mis sur les fonds baptismaux West Atlantique, ce qui est pour moi l'occasion de saluer son premier délégué général, Jacques Voisard, qui vient de décéder et qui était un homme d'une grande qualité. Il aida au rayonnement de Royaumont. Il rencontra souvent dans ce chemin François Bloch-Lenné. La multiplicité de ses engagements, qui le conduisait à solliciter de nombreux concours financiers, valut à Paul Delouvrier la qualification, que je trouve plutôt honorable, de tapeur universel. En conclusion, je citerai volontiers Jean Monnet qui disait « Dans la vie, il faut choisir, être quelqu'un ou faire quelque chose. » À l'objection qu'à force de faire quelque chose, on devient quelqu'un, il répondait « Oui, mais ce n'est pas le but, c'est la conséquence. » Pour moi, un grand commis de l'État, c'est une mission, une volonté, un lien fort avec le sommet de l'État permettant de dépasser les aléas de la politique politicienne. Deux phrases de Paul Delouvrier illustrent cette définition. « Je crois à ce que je dis. Les présidents de la République me furent d'un soutien constant. » Des hauts fonctionnaires ayant le sens de la mission et de la volonté, il y en a fort heureusement toujours. Par contre, les circonstances politiques ne me paraissent pas les mêmes et c'est pourquoi j'attends avec un grand intérêt l'intervention de Jean-Marc Sauvé.
Je conclurai mon propos par une anecdote qui illustre bien la conception de sa mission par Paul de Louvrier. Paul de Louvrier était, j'ai évoqué son entrée dans le maquis dès 1942, le chef du maquis du sud de la Seine-et-Marne. Il a, à la demande de Jacques Chaban-Delmas, été chercher de l'argent et pour trouver de l'argent, il a été à la perception de Nemours. Il a braqué la perception de Nemours, mais comme il était inspecteur des finances et qu'il y avait donc le sens de l'État, il a signé au percepteur un reçu. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dupert, ce très beau portrait également. Je crois que les trois exposés ont montré combien il était important de donner cher à la notion de grand commis et que, au-delà des réflexions générales, les parcours exceptionnels, dans, tous les trois, effectivement, dans des circonstances exceptionnelles, que tous les trois ont été engagés dans la résistance, ont connu cette période, la libération, ensuite la reconstruction. Combien c'est important. Enfin, je crois qu'il est vraiment dans les réflexions qui sont menées sur les grands commis, très très précieux, qu'il y ait aussi ces témoignages de parcours et les trois interventions l'ont magnifiquement illustré. Alors, on a peut-être quelques minutes de discussion. Peut-être demander à Jean-Claude Trichet s'il souhaite réagir à ce qui a été évoqué par Madame Questio, par Jean-Pierre Duport. Bien sûr, je dis à Madame la présidente Questio qu'elle peut intervenir à tout moment si la technique le permet. Et puis je demande aussi à Jean-Pierre Duport. Il y a beaucoup de liens entre vos trois exposés, hein, notamment ces notions d'indépendance, d'engagement, de rapport aux politiques qui sont beaucoup revenus dans les trois portraits. Mais c'est une table ronde, même si c'est une configuration un peu particulière. Donc, je crois qu'il est important peut-être que vous l'enrichissiez vous-même. Comme vous-même, j'ai été très frappé de voir la proximité entre les trois grands commis qui ont été évoqués, et notamment le fait qu'ils sont tous les trois extraordinairement attachés à l'indépendance d'esprit, à leur propre indépendance d'esprit et à celle de leurs administrations, qu'ils n'imaginent pas de se censurer ou de s'auto-censurer en aucune manière, et qu'en même temps, ils combinent ça une fois que la décision est prise. Évidemment, plusieurs d'entre eux ont eu des liens directs avec le chef de l'État qui leur ont formidablement facilité les choses. Et quel chef de l'État ? Et je vois bien, dans le cas de François Bloch-Lenné, la rupture entre le général de Gaulle et ses successeurs était pour lui quelque chose de presque tragique. Mais au total, je dirais qu'ensuite, alors, quelle que soit la décision, la loyauté dans l'exécution paraît être en effet la règle fondamentale. Et c'est cette idée de la neutralité du service public à la française, il me semble que c'est l'indépendance d'esprit totale, la présentation de ce que l'on croit être le mieux possible pour le gouvernement, pour l'État, pour la société. Et puis ensuite, la loyauté, même si la décision ne va pas dans le sens de ce qu'on avait préconisé. Nicole Questio a été particulièrement émouvante, il me semble, sur ce terrain. Et Jean-Pierre a été incroyablement, puissant dans son évocation de cette force intellectuelle qui était de l'ouvrier, force intellectuelle et force, de manager de très, très, très grand talent s'appliquant à tous les horizons. En tout cas, pour ce qui concerne François Bloch-Lenné, moi, ce qui me séduit énormément chez cet homme, c'est aussi sa sensibilité, qu'il a lui-même exprimée dans ses écrits de manière très sincère, très convaincante. Pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Jean-Claude Trichet. Je voudrais juste dire que je crois qu'on ne peut pas être un grand commis de l'État si on est servile. Enfin, je crois que la force des grands commis de l'État que nous avons évoqués, c'est qu'ils ont toujours défendu leur point de vue, qu'ils ont accepté la décision du pouvoir collectif, du pouvoir politique, mais qu'ils ont toujours défendu leur point de vue. Ils ont dépassé ainsi les aléas de la politique politicienne. Ils ont défendu
ils ont été jusqu'au bout du combat qui était le leur. Voilà, je crois que c'est ça qui me paraît être important. Je crois que la servilité ne rapporte pas. Et tout à l'heure, on évoquait le cas des préfets. Je peux vous dire qu'avec Jean-Pierre Chevènement, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger le cabinet de Jean-Pierre Chevènement pendant quelques mois, il tenait compte de la qualité des hommes et qu'il se méfiait énormément des préfets dont les élus locaux lui disaient trop de bien. Je ne sais pas si Madame Question m'entend, si c'est le cas, si elle souhaite intervenir à ce stade. Oui. Je voulais juste rajouter un mot. Dans les trois interventions, je trouve qu'il y a un point commun, c'est une forme d'optimisme. Je trouve que ces trois grands communs-là, ils ont quelque chose de gai, de chaleureux, de confiance en eux, qui leur font prendre des responsabilités sans craindre des conséquences. Merci. Merci beaucoup. Dans la salle, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, faire une observation, poser une question? Oui. Voilà, il y avait une question parvenue par les internautes. À travers ces trois exemples de grandes figures, peut-on avoir un profil type du grand commis? Vous pourriez juste répéter, je n'ai pas bien entendu moi, celle-là. Donc, à travers ces trois exemples de grandes figures, peut-on avoir un profil type de grand commis? On a dit nous-mêmes qu'il y avait des points communs très, très impressionnants. Donc, d'une certaine manière, c'est un profil type. Mais en dehors de ces points communs, je crois que toutes les personnalités sont possibles, doivent pouvoir s'exercer. Et puis, l'environnement n'est pas le même, bien sûr. Donc, moi, je ne vois pas de profil type en dehors de ce qu'on a déjà dit, indépendance, neutralité, loyauté. Je partage le sentiment de Jean-Claude Trichet. Je crois que les circonstances politiques ont considérablement changé. Enfin, le rapport des hauts fonctionnaires au pouvoir politique n'est pas du tout le même que celui qu'il était. Et du temps de la 4e République, je l'ai évoqué, et du temps du général de Gaulle. Je crois qu'il est, je l'ai un peu dit par prétérition, le rapport que Paul de Louvrier avait avec le général de Gaulle s'est dégradé fortement avec Georges Pompidou. La situation n'était plus la même. Même s'il a retrouvé, pardon de faire un peu de politique politicienne, il a retrouvé avec François Mitterrand ce rapport de confiance, ce rapport d'un homme de vision ou de deux hommes de vision, chacun avec les responsabilités qui étaient les leurs. En tout cas, comme je l'ai dit en commençant mon propos, ce sont des hommes qui sont de la même génération, enfin, qui ont été à la même école et à une école qui forme des hommes et des femmes aussi. Président Sauvé. J'ai même perdu l'usage du micro, c'est dire à quel point je me suis éloigné de cette maison. Je voudrais faire part d'une interrogation qui me taraude depuis le début de cette table ronde et en lien aussi avec l'hommage à Marsolon. En réalité, nous venons de parler et nous parlons de quatre personnalités qui toutes sont passées par la résistance, sauf Marsolon qui était trop jeune, qui ont accédé en réalité très tôt, à 35 ans, à des responsabilités très éminentes, à un moment où l'imperium de l'État n'était en aucune manière contesté. Et on a l'impression que cette époque est une époque assez unique, qui ouvrait des espaces à ces profils, à ces personnalités, qui à la fois avaient une vision, des compétences, une indépendance, et c'était aussi, d'ailleurs, avant la montée en puissance, des cabinets ministériels. Tout se tient. Et voilà, j'ai un peu peur que nous ne célébrions une forme de nostalgie.
mais je n'en parlerai pas dans ma conclusion. C'est totalement privé, vous l'avez compris. De l'optimisme, il y a une question, mais aussi de la nostalgie, effectivement. Madame de Bodeffre. Oui, ce n'est pas une réponse au vice-président Jean-Marc Sauvé, mais je peux dire que lorsque nous avons conçu le colloque, et tout particulièrement avec le président Stirn, avec Pascal Guenot, qui sont là, donc, et moi-même, et Grégoire Bigot, qui s'est exprimé ce matin, nous nous sommes dit qu'il fallait à un moment donné, au-delà de la notion, donner corps, effectivement, incarner cette figure de grand commis. Oui. On a réfléchi. Et spontanément, hein, je pense, enfin Bernard et Stirn et Pascal Guenot me contrediront complètement mon propos, finalement, assez spontanément, on est arrivé à ces noms. Et je signale qu'effectivement, pas de femme. On a évoqué à un moment donné Jeanne Laurent, quand même, nous en avons parlé, ça je le dis donc à Jean-Pierre Duport. Mais finalement, nous avons gardé ces trois hommes. Et si vous me permettez une notation très personnelle, c'est que si j'ai cité ce matin cet article de Suzanne Delorme, qui date de 1950, c'est parce que justement là, elle applique donc à une dynastie du XVIIIe siècle ce terme de grand commis de l'État. Et je crois que c'est parce que c'est à cette période, je rejoins complètement ce que vient de dire le président Sauvé, je crois que à cette période, je pense que cette appellation, dont je ne suis pas sûre effectivement qu'on en trouve trace avant, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'épanouir. Parce qu'on est dans cette période, et vous l'avez dit, tous, c'était très frappant, on est dans cette période de reconstruction, d'affirmation de l'État, d'ouverture de tous les possibles. Alors après, ce n'est pas de la nostalgie, et j'espère justement que le président nous Sauvé va nous montrer que, comment dirais-je, qu'il y a un avenir. Mais ce n'est peut-être pas un avenir à cette notion-là, mais c'est en tous les cas pour moi de l'avenir quant aux qualités qui doivent être celles de grand commis. Alors peut-être que l'appellation est désuète, mais pour moi, la réalité qu'elle nomme a plus que jamais un présent et un avenir. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois aussi qu'il faut qu'on se méfie un tout petit peu, en effet, des périodes extraordinaires historiquement. Et nous avons déjà dit longuement, Jean-Pierre, moi-même, Madame Questiot, à quel point, en effet, la libération et la reconstruction étaient fondamentales. Mais il y a peut-être aussi un peu une illusion d'optique, parce que beaucoup de choses se sont faites dans les périodes plus récentes. La construction de l'Europe, Jean-Pierre a évoqué Jean Monnet à 3 ou 4 reprises. Et Jean Monnet, il anime toujours beaucoup, beaucoup de fonctionnaires français. Et il les a animés. Et ce qui a été fait dans d'un point de vue historique en Europe, et qui a été très, très largement influencé, en effet, par un consensus miraculeux, droite-gauche de la France. C'est quelque chose de considérable. Et donc, je crois qu'il ne faut pas que nous soyons trop nostalgiques et entièrement rétrospectifs. Monsieur le Président, dans le prolongement de ce que vient de dire d'ailleurs M. Trichet et Mme de Bodeffre, je crois que ce colloque n'a pas été organisé pour célébrer le passé. Nous avons des exemples passés. Le président Long, et ce sont des personnalités qui ont été évoquées cet après-midi. Mais vient d'être dit que ces personnalités se sont épanouies dans des périodes difficiles, périodes de reconstruction, de construction de l'Europe. Nous sommes dans une période difficile. Vous avez dit que ces éminents hauts fonctionnaires ont agi dans une période où l'autorité de l'État n'était pas discutée. Nous sommes dans une période où l'autorité de l'État est profondément contestée. Nous sommes dans une période aussi où le fonctionnement de l'État a considérablement changé. En réalité, schématiquement, tout est centré sur l'autorité du président de la République. Et les qualités d'autorité, d'indépendance, de réflexion et, en même temps, d'obéissance lorsque la décision politique est prise, que l'on a reconnue dans les
grands commis évoqués. Ces qualités sont aussi nécessaires dans la période actuelle. Et nous n'avons pas parlé pour le passé, nous avons parlé en réalité pour identifier des qualités qui sont toutes nécessaires pour assurer le service de l'État avec le sens de l'État. Et par conséquent, ce que nous avons constaté aujourd'hui, ce n'est pas la glorification d'un passé, Monsieur le Président Sauvé, en réalité, ce sont des qualités permanentes et nécessaires dans toutes les périodes, et en particulier dans les périodes d'aujourd'hui. Alors, nous attendons de reconnaître des personnalités qui seront ainsi à même de servir l'État et le bien commun. Merci, Monsieur le Professeur. Il me semble peut-être cette intervention... Oui, il y a une question, une dernière, parce qu'il faut qu'on laisse la parole au Président Sauvé. Est-ce que l'Union européenne peut représenter un vivier de grands commis ? Certainement, s'agissant de ceux qui, de France et en France, ont, je crois, et continuent d'œuvrer pour que cette grande entreprise historique, stratégique, impulsée par Jean Monnet, par Robert Schuman, accessoirement, François Bloch-Quesnay a été le directeur de cabinet de Robert Schuman. Donc, oui, et alors, au niveau européen, ben, nous allons voir. Il est clair qu'il y a, d'une certaine manière, une tradition française qui apparaît tout à fait bonne, disons, par rapport à d'autres traditions culturelles, historiques, pour ce que nous attendons de l'Europe demain et après-demain, oui, je crois. Merci bien. Je vous propose peut-être que nous arrêtions cette table ronde qui pourrait nous amener à des réflexions qui pourraient se dérouler encore longtemps pour que nous respections bien les horaires et donc demander au président Sauvé de nous présenter maintenant les conclusions de cette journée. Ah non, on doit garder le masque. C'est bien ça. Vous l'avez tous fait, donc je ne peux pas me soustraire à cette loi d'airain. En tout cas, je voudrais remercier donc plusieurs intervenants, notamment le professeur Delvolvé, Martine de Boisdeffre, également monsieur Jean-Claude Trichet, de m'avoir soutenu et en quelque sorte remonté le moral au moment où je devais escalader la tribune, parce que j'ai été saisi d'un coup de blues, comme disent les jeunes aujourd'hui. Alors, il me revient donc de la lourde tâche de tenter de conclure ce colloque qui est consacré, beaucoup l'ont observé et remarqué, à un oxymore, les grands commis de l'État. Et après tant d'évocations, de perspectives, d'interventions qui sont savantes, d'éclairages biographiques, historiques et théoriques. Une synthèse est tout à fait risquée, mon embarras n'est pas fin. Je voudrais d'abord remercier donc tous les orateurs pour leur investissement et leur participation à ce colloque,
qui m'ont beaucoup enrichi personnellement et dont le comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative, je m'en réjouis, gardera la mémoire. Je vais maintenant faire écho à ce qui s'est dit et ajouter ma propre contribution en tentant, mission impossible, d'éviter le double écueil de la redite et du hors-sujet. Bien. Alors, deux remarques pour commencer, l'une sur l'État, l'autre sur les grands commis de l'État. Sur l'État, je commencerai par énoncer une conviction. Elle concerne le rôle éminent qu'a joué l'État dans la construction de notre pays et de notre identité nationale, comme dans l'édification et la sauvegarde de ce qui nous est commun. Conformément à l'étymologie, l'État est ce qui fait que la société tient debout. Il doit être fort pour assurer la sécurité, agir sur le plan économique et social, et aussi avec donc tous les acteurs chargés de produire les richesses, créer l'emploi et faire vivre le lien social. Mais chez nous, plus encore qu'ailleurs, l'État a une fonction éminente. Il est le socle sur lequel la nation s'est construite. Il en constitue la matrice et l'une des principales forces agissantes. Et c'est en lui que la communauté nationale fonde son indestructibilité symbolique. Et là, je cite Pierre Legendre. Ce trait de notre identité est parfois oblitéré par les détours compliqués de notre histoire. Il n'en est pas moins évident, ainsi que l'ont rappelé Tocqueville ou De Gaulle, chacun avec son approche et sa mission et sa vision. Comme l'écrivait le général De Gaulle dans les Mémoires de guerre, l'État est une institution de décision, d'action, d'ambition, n'exprimant et ne servant que l'intérêt national. Ou encore, au début des Mémoires d'espoir, l'État qui répond de la France est en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain. Sa tâche consiste non pas en faire entrer de force la nation dans un carcan, mais à conduire son évolution, ce qui implique une impulsion, une harmonisation des règles qui ne sauraient procéder que de lui. Il ne faudrait cependant pas que cette force, qui est une chance, soit source d'inconfort, voire de malaise ou de difficulté, nous y reviendrons. Après l'État, les grands commis de l'État. Les grands commis sont aux administrations publiques ce que sont les grands hommes à l'histoire. Ils ont longtemps été oubliés ou méconnus, parce qu'ils ne relevaient justement pas de la catégorie des grands hommes, qu'ils s'effaçaient souvent derrière les décideurs publics, les décideurs politiques, pardon, ou qu'en dernier lieu, le marxisme, le structuralisme ou l'approche de l'école des annales les ont rendus presque invisibles. Pour autant, ils sont bien présents dans notre histoire et ils ont joué, à côté des responsables politiques de notre pays, un rôle majeur dans l'affirmation de l'État, la défense de ses intérêts et au-delà de la collectivité nationale. À partir d'un très lointain héritage romain et carolingien, ils ont commencé à déployer leur influence et leur action pendant le Moyen Âge, et celle-ci s'est poursuivie sous la monarchie, l'Empire et la République, de la troisième à la cinquième, sans oublier la quatrième, au cours de laquelle leur rôle fut spécialement éminent. En ce début et ce début de XXIe siècle, ils n'ont pas disparu, et je leur souhaite longue vie pour eux-mêmes, moins pour eux-mêmes que pour le plus grand bien du pays. Mais je ne veux pas anticiper sur ma dernière partie qui est censée parler de l'avenir de la notion de grand commis de l'État. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne les ignore pas tout à fait. Elle ne parle certes pas des seuls grands commis de l'État, mais elle parle d'eux parmi d'autres, dans ses articles 6 et 15, dans des termes que nul ne peut renier. Le premier proclame, dans une société où les charges des officiers publics étaient vénales avant d'être héréditaires, la loi est l'expression de la volonté générale, elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Cet article, qui donnait avec retard raison au chancelier de Maupeou, tout en allant bien plus loin que lui, demeure d'une actualité assez brûlante. Quant à l'article 15, il dispose tout simplement que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, programme toujours aussi vaste que pertinent. Les grands commis de l'État, qui ne portaient pas encore ce nom, apparaissent distinctement dès le début du XIIIe siècle, lorsqu'en 1208, le roi Philippe Auguste résiste à l'injonction du pape Innocent III de partir en croisade contre les comtes de Saint-Gilles et de Toulouse et les Albigeois qui avaient oxy le légat du pape Pierre de Castelnau. La lettre de refus adressée par le roi au pape demeure, à mes yeux, un modèle de rédaction parfaitement pertinent pour la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay ou le secrétariat général du gouvernement. Le Conseil du roi, ancêtre du Conseil d'État du roi, puis du Conseil d'État, vit le jour dans le courant de ce siècle, le XIIIe. Philippe le Bel s'entoura ensuite des légistes, hommes de talent, qui surent plus tard découvrir, ou plutôt inventer, une interprétation de la loi salique permettant de faire échec à l'accession du roi d'Angleterre au trône de France. Ce qui n'empêcha pas, je ne sais pas si Lord Peter Ricketts est toujours avec nous, ce qui n'empêcha pas le dit roi d'Angleterre de porter le titre de roi de France jusqu'à la paix d'Amiens en 1802. Les légistes surent ensuite subvertir l'interprétation du désastreux traité de Troyes et en miner l'application. Puis la monarchie a pris l'ascendance sur la noblesse, imposé son pouvoir absolu et créé l'État moderne avec l'appui d'une avant-garde d'officiers et de commis. L'histoire est bien connue. Plus tard, la construction de l'État républicain s'est appuyée sur les bases léguées par la monarchie et l'Empire. La faiblesse des régimes qui se sont succédés de 1875 à 1958 a été en partie, mais en partie seulement, compensée par les grands commis de l'État présents dans les préfectures, les rectorats, les colonies, les ambassades et quelques ministères. Les quelques lignes consacrées par De Gaulle dans ses mémoires de guerre au secrétariat général du gouvernement, recréées à Alger en 1943 et confiées à Louis Jox, sont à cet égard révélatrices. Je le cite, « Techniquement, je me trouvais bien secondé. Jox reliait les ministres entre eux et avec moi, constituait les dossiers au vu desquels délibérait le comité, c'est le comité français de la libération nationale, prenait acte des décisions, assurait la publication des ordonnances et des décrets, en suivait l'application. Modèle de conscience et tombeau de discrétion, il devait assister pendant 3 ans en témoin actif et muet à toutes les séances du Conseil. On retrouve là 2 caractéristiques. Le grand commis est actif et muet. Le rôle des grands commis, profondément renouvelé, s'est encore amplifié à la Libération avec des exigences de la reconstruction, le début de la construction européenne et les soubresauts de la décolonisation. Les commissaires au plan, à commencer par Jean Monnet, Étienne Hirsch, les directeurs du Trésor, les gouverneurs de la Banque de France, les directeurs de la Sécurité sociale, à commencer par Pierre Larocque, les directeurs des routes et de la construction, des préfets ou des résidents généraux, dont plusieurs figures ont été évoquées cet après-midi, ont durablement marqué l'administration et l'économie, mais aussi l'histoire de notre pays. C'est à cette génération qu'appartient Marsolon, à qui nous rendons aujourd'hui hommage. Avant de refonder, je crois, le Conseil d'État et la juridiction administrative et de contribuer au renouveau de sa jurisprudence, il avait travaillé, mais ce point mérite maintenant d'être vérifié, auprès de Maurice Faure à la négociation du traité de Rome. J'essaierai de le vérifier. Puis d'Alexandre Parodi à Rabat, dans la foulée de l'indépendance du Maroc, avait ensuite dirigé la fonction publique, le secrétariat général du ministère des Armées et l'ORTF, qu'il devait décentraliser et dont il mena à bien la partition
avant de prendre la tête du secrétariat général du gouvernement, puis d'Air Inter et Air France. Auteur avec Prosper Veil et Guy Bréban, sous l'impulsion de René Cassin et Marcel Valine, des célèbres grands arrêts de la jurisprudence administrative, il a aussi présidé et éclairé des débats difficiles sur la défense, la nationalité française, l'accès à la nationalité, la laïcité, sujet qui demeure d'une actualité brûlante, et aussi l'intégration des étrangers. Il a mené l'ensemble de ses projets avec une capacité sans égale de rassemblement, une grande fermeté sur les objectifs et les principes alliés à la souplesse dans la mise en œuvre, et chacun y a fait référence aujourd'hui, avec une habileté sans cynisme, une ouverture sans préjugés aux questions nouvelles et une réelle bienveillance envers les personnes dont nous avons tous bénéficié et fait l'expérience. Après ces considérations sur l'État et les grands commis de l'État, je voudrais tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un grand commis de l'État aujourd'hui ?» Et après, je parlerai de l'avenir de cette notion. Qu'est-ce qu'un grand commis de l'État aujourd'hui ? Je soulignerai à la fois la continuité des caractères essentiels du grand commis et ensuite les changements auxquels cette notion est exposée. En ce qui concerne la continuité des carrières et des caractères essentiels, Christian Vigouroux nous a parlé de 5 critères. Donc, j'ai voulu absolument surenchérir et voilà, j'en prendrai 8, mais on pourrait aussi se limiter. Le premier critère, c'est l'autorité. L'autorité personnelle, l'autorité morale, alliée à la compétence et à l'esprit de réforme. Le grand commis incarne la capacité à penser l'État. Il incarne en même temps la maîtrise de soi. Le grand commis exprime aussi, ou se caractérise par l'aptitude à voir large et loin, à conjuguer la vision de long terme, mais aussi la capacité à régler les problèmes qui se présentent au jour le jour. C'est la conjonction de la conception et de l'action, de la continuité de l'État et de la réforme au jour le jour. C'est aussi l'aptitude à rassembler et diriger des équipes en leur faisant partager des buts communs de telle sorte que ces buts puissent être atteints collectivement. C'est enfin la capacité à articuler la vision stratégique, la gestion de crise et combien de grands commis dont on a évoqué la figure aujourd'hui ont été confrontés à des situations de crise, je pense aussi à Paul Delouvrier, la gestion des crises et les missions des jours ordinaires. Voilà pour l'autorité, la compétence, l'esprit de réforme. Deuxième trait, la loyauté et l'indépendance. Et on est dans l'oxymore pur et simple. Il s'agit à la fois d'intégrer, de recevoir, mais aussi de suggérer des orientations politiques, de conseiller l'autorité, de la mettre en garde, de l'aider à atteindre ses objectifs. Il faut ainsi être capable de s'engager sans se couvrir ou contrebalancer toute affirmation par l'affirmation contraire. Il faut savoir parler vrai, moins dire non que faire adhérer l'autorité politique à l'idée qu'un projet ou une décision serait funeste. Mais un commis de l'État ne peut être grand s'il ne sait pas dire non. Troisième trait, c'est le service du bien commun et de l'intérêt général, plus que des intérêts personnels, même si, soyons lucides, il n'est pas interdit qu'ils se recoupent. Ce service requiert une assaise, car le grand commis de l'État ne poursuit pas des intérêts propres. Sa carrière compte, mais elle a moins de prix que ses devoirs. Sa légitimité est celle du service de l'État. Par conséquent, service de l'État, du pacte social et du renforcement du lien social.
Par conséquent, si le clanisme, le clientélisme, le corporatisme sont des recettes éprouvées pour domestiquer, fidéliser ou neutraliser partenaires, subordonnés ou adversaires en puissance, ce ne sont pas des méthodes recommandables et ce n'est assurément pas un des titres dont il faille s'enorgueillir pour être grand commis de l'État. Le quatrième trait, c'est la vertu. Et la vertu, c'est l'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité, le désintéressement. Cinquième trait que je veux mettre en lumière, c'est la réserve et la discrétion. Ces caractéristiques entrent en contradiction avec la nécessité d'une communication minimale, mais qui ne saurait concurrencer celle de l'autorité politique. La susceptibilité de celle-ci ne doit jamais être sous-estimée, et je crains que François Bloch l'aîné n'en ait fait l'expérience. En tout cas, l'arrogance, la suffisance et la jactance ne sont pas des signes distinctifs du grand commis de l'État. Sixième trait, la responsabilité. Le grand commis doit savoir répondre de ses actes, de ses choix, de ses erreurs ou de ses conseils erronés. Il doit les assumer. Il est vrai qu'avec un peu de dialectique, on ne commet jamais d'erreur et qu'il est toujours possible de s'en défaire sur un collègue, un supérieur ou un subordonné. Mais ça n'est pas là non plus un trait distinctif du grand commis. Septième trait, c'est l'attention aux aspirations de la société, l'écoute du corps social, le souci de la cohésion sociale. Enfin, je terminerai par le huitième trait, dont il a été aussi question. Ce n'est qu'une reformulation de tout ce qui a été dit au cours des siècles précédents. Le grand commis de l'État sait prendre des positions à contre-courant pour servir le bien commun. Il sait prendre position tout court. Il sait affronter les problèmes dans la durée pour les régler et non les esquiver. Il sait prendre des risques. Il n'y a pas de grand commis de l'État sans audace. Les changements, maintenant, auxquels ce modèle est confronté. Je voudrais, quant au contexte, signaler trois changements importants qui affectent les conditions d'exercice de leurs fonctions. Le premier, c'est l'émergence et la puissance des cabinets ministériels, qui peuvent être pépinières de grands commis de l'État, mais qui rejettent dans l'ombre et affaiblissent les directeurs qui ont vocation à être ces grands commis. Deuxième élément de contexte, c'est le passage dans l'organisation des pouvoirs publics de la simplicité à la complexité. L'État a cessé d'être solitaire, omnipotent et vertical. La puissance étatique conserve une force d'impulsion et une légitimité incomparables. Elle est présente partout, mais elle n'est plus dominante. Elle n'est plus dominante nulle part, elle n'est moins encore absolutiste. Son action, l'action de la puissance étatique, de la puissance publique, est constamment sollicitée et en même temps contestée et dénoncée, à tout le moins critiquée. Je prendrai à cet égard un exemple assez récent que nous vivons depuis 11 mois, c'est-à-dire depuis la date d'ajournement de ce colloque, la pandémie grippale. Reportons-nous au dernier événement de même ampleur, la grippe espagnole des années 1918 à 1921. Pendant la grippe espagnole, aucun gouvernement d'aucun État n'a mis en œuvre une politique publique au titre de l'hygiène pour prévenir et guérir la grippe espagnole. Il y a eu 100 millions de morts dans le monde. Georges Clemenceau négociait le traité de Versailles, Saint-Germain, Trianon, et il est évident qu'il ne venait à l'esprit de personne de solliciter l'État pour faire face à la situation. Aujourd'hui, vous mesurez bien le bouleversement absolu dans lequel on est. Une épidémie, une pandémie, tous les pouvoirs publics dans tous les États sont naturellement sommés de guider la population, de prévenir
et de guérir, avec non seulement une injonction, mais immédiatement dans la foulée de cette injonction, les critiques corrélatives. Voilà, donc l'État aujourd'hui, outre qu'il est responsable de tout, doit constamment interagir avec la société civile, les pouvoirs locaux, l'Union européenne, les autres États, dans un monde qui est global et qui est multipolaire, y compris d'ailleurs pour faire face, par exemple, à la pandémie du Covid-19. Il cesse de s'inscrire dans une verticale du pouvoir et il fonctionne beaucoup plus en réseau. Troisième changement de contexte, c'est le bouleversement de l'environnement politique et médiatique. Aujourd'hui, l'on est confronté au choc du court terme par rapport à des visions à long terme et par rapport à une vision à long terme de l'action publique. À la relation triangulaire, gouvernement, parlement, presse, qui était déjà redoutable quand des décisions difficiles, complexes, étaient prises sur la base de l'instruction de quelques experts autour d'un grand commis de l'État, quand ces décisions étaient livrées en pâture et taillées en pièces par quelques dizaines d'observateurs, de journalistes experts ou de militants aguerris, à cette relation triangulaire se substitue aujourd'hui une relation quadrangulaire à laquelle s'invitent potentiellement non pas 66, mais 67 millions de compatriotes qui, par des tweets percutants, ravageurs, largement diffusés, mettent en cause constamment ou mettent en difficulté l'action publique. Alors certes, les gouvernements peuvent user des mêmes outils. On l'a vu avec le président d'une grande puissance transatlantique, le président Trump. Mais c'est tout de même un facteur de marginalisation des grands commis de l'État et pour eux de vulnérabilité accrue, puisqu'ils sont débordés à la fois par leurs supérieurs et par les citoyens. La société numérique et les réseaux sociaux, par leur instantanéité, leur potentiel de diffusion, remettent profondément en cause la production de la décision publique et le fonctionnement du couple grand commis de l'État, autorité politique. Celle-ci doit constamment réagir ou prendre l'initiative et elle se trouve contrainte de traiter indistinctement l'essentiel et l'accessoire quand le bruit médiatique sur l'accessoire est devenu trop fort. Ces perturbations sont amplifiées par l'accroissement des exigences des citoyens qui demandent que tout problème, toute difficulté soit instantanément résolu. De ce point de vue, la société de la fatalité et de la résignation a vécu. Dernier changement de contexte, c'est le changement de paradigme de l'action publique. Le modèle du grand commis de l'État sous l'Empire, cela nous a été dit, c'est à la fois se taire et agir. Or, aujourd'hui, la parole est action. Parler, c'est agir. Bien. Et si l'action est dans la parole, le grand commis de l'État risque de s'en trouver évincé. Alors, heureusement que la parole publique se prépare, sauf les tweets des présidents des États-Unis. Lorsque le gouvernement de la cité reste dominé par la rationalité. Alors, à ce contexte profondément renouvelé, s'ajoutent des contraintes nouvelles sur lesquelles je vais passer rapidement. Un, c'est la procéduralisation et la juridicisation de l'action publique. L'action urgente et même quasi immédiate de la puissance publique est encadrée par un ensemble de règles de plus en plus strictes et contraignantes. Deux, les exigences déontologiques, qui sont évidemment nécessaires et bienvenues, et je ne les discute pas
un instant, mais elles ajoutent un élément supplémentaire de vigilance et éventuellement de contrainte. Trois, la question des moyens de l'action publique se pose avec une sensibilité accrue alors que les déficits budgétaires sont plafonnés, sauf lorsque le principe du « quoi qu'il en coûte » trouve à s'appliquer. Mais nous allons quand même convenir en cet instant que le principe du « quoi qu'il en coûte », c'est vraiment une exception, et une exception qui va devoir prendre fin très rapidement. Quatrième contrainte nouvelle, le risque politique et pénal. Il y a aujourd'hui, et le président Marsolon en parlait dans l'article qu'il a publié dans la revue administrative il y a près de 25 ans sur la haute fonction publique, une moindre solidarité entre l'administration et le politique. Voilà. Le deuxième élément de risque, c'est la tendance accrue à mettre en cause la responsabilité pénale des décideurs publics, ministres, hauts fonctionnaires, on le sait. Alors, quelles sont les conséquences sur aujourd'hui la notion de grand commis, à la fois quant au profil des grands commis et quant au mode d'exercice de l'action publique. Quant au profil, il y a, à côté de la fermeté du cap et de la vision, désormais une exigence de modestie, presque d'humilité, d'empathie et de bienveillance dans les relations avec les collaborateurs, les partenaires, les usagers. Le grand commis de l'État conseille, soutient, accompagne ses collaborateurs. Deuxième élément, c'est le développement d'une capacité d'écoute et d'interaction avec l'environnement. Il y a là une part du profil historique du grand commis de l'État qui devient caduque. Et quant au profil du grand commis, il y a aussi la nécessité de créer de la confiance dans l'État auprès des autorités publiques, auprès des autorités politiques, mais aussi dans la société. Créer de la confiance dans une société qui est devenue une société de défiance est évidemment une exigence importante. Et quant au mode d'exercice maintenant de l'action publique, ce mode d'exercice, eh bien, il se renouvelle pour les grands commis de l'État. Désormais, bien sûr, le principe hiérarchique subsiste, mais un mode de fonctionnement purement vertical devient périlleux. L'autorité, désormais, se conjugue avec l'adhésion, la persuasion, voire la médiation. Le management tend à devenir plus participatif et coopératif, interactif et ouvert, pour répondre aux problèmes globaux qui doivent être affrontés. Et au titre des problèmes globaux, je pense notamment à toute l'interaction entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs privés, notamment pour faire face à la crise sanitaire. On a beaucoup stigmatisé les questions de masques, d'indisponibilité de masques, des équipements de protection ou des tests, mais le vrai sujet, me semble-t-il, a été la difficulté, justement, à nouer des interactions positives entre des partenaires différents, qui relèvent d'ordres différents. La Caisse nationale d'assurance maladie versus les ARH, le ministère, les collectivités territoriales, et d'une manière générale, tous les acteurs privés de la santé. Voilà. Et le fonctionnement en réseau doit prendre plus résolument appui sur les technologies numériques. Et là, je dois dire que j'ai été très impressionné par ce qu'écrit Marsolon dans l'article auquel je faisais référence, dans la revue administrative. Marsolon évoque le trop grand nombre des structures à coordonner, qu'il s'agisse des départements ministériels ou des services déconcentrés, reste un obstacle majeur à un travail efficace et interdisciplinaire. Le recours à des procédures de type intranet, le développement de visioconférences constitue certainement une réponse technologique appropriée et dont la mise en œuvre revêt un caractère de vraie urgence. Nous sommes dans les années 90. Voilà, mais cela doit surtout s'accompagner d'un changement des comportements.
au moment où, jusque dans les kiosques à journaux de gare, on trouve souvent plusieurs ouvrages consacrés à l'approche en réseau, à tous les stades de la vie des entreprises, des associations, des institutions culturelles, il serait regrettable que l'administration méconnaisse les facteurs de souplesse, de créativité, de dialogue interactif découlant d'un tel mode de fonctionnement. En suivant cette voie, l'administration publique ne ferait que se conformer au principe d'adaptation qui est dans sa nature même. Et cette adaptation nous mène tout naturellement au problème de formation. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Enfin, il aurait fallu qu'on le mette en œuvre 20 ans plus tôt et c'était bon. Voilà. Pour terminer sur le grand commis de l'État aujourd'hui, ben, les exigences, c'est donc ne pas renoncer à prendre des risques juridiques et personnels. L'esquive et la défausse ne sont pas acceptables, ils le sont moins que jamais. Il faut donner sens et portée à l'engagement de servir l'État sans jamais perdre de vue le service du corps social et le renforcement du lien et de la cohésion sociale. Il faut savoir passer de l'imperium à l'auctoritas. Donc je fais appel à ces catégories du droit romain qui ont été reprises par le droit de l'Église catholique. Alors l'imperium, c'est l'Empire. L'auctoritas, c'est le pape. Mais ici, je suis dans une institution républicaine et donc je peux proférer ce qui pourrait être regardé dans l'ordre de l'Église catholique comme étant légèrement déviant. L'autorité, l'auctoritas, c'est ce qui fait grandir, d'une certaine manière, les interlocuteurs, les partenaires, alors que l'imperium, c'est un exercice beaucoup plus classique de l'autorité. Enfin, il faut valoriser l'efficacité, mais une efficacité globale. Les indicateurs de performance ne sauraient être trop formels. Alors, l'avenir, c'est toujours le plus difficile hein, de parler d'avenir, parce que là, c'est ultra périlleux. Et puis, de toute façon, mon temps de parole maintenant presque écoulé, donc j'ai un peu une excuse pour raccourcir. L'avenir de la notion de grand commis. Pour qu'il y ait demain des grands commis de l'État, trois conditions doivent être réunies. La première, c'est qu'il y ait encore un État, une puissance publique, au service de la collectivité, donc qui réponde du pays, de ses intérêts et de ses espoirs. Il faut, en deuxième lieu, qu'il y ait des chefs, c'est-à-dire des commettants, dignes de ce nom. En troisième lieu, il faut qu'il continue à y avoir des grands commis, sans lesquels il ne peut y avoir d'État. Ces trois conditions sont en réalité indépendantes et circulaires, d'autant plus qu'en toile de fond est présent le corps social. Le corps social, à la fois concret et abstrait, au service de qui l'État, les acteurs politiques et les grands commis existent, ont été institués et travaillent. Alors, quant à l'avenir, je ferai trois ensembles de recommandations. La première, il faut surmonter dans la durée un certain nombre de tensions et de contradictions auxquelles aujourd'hui les grands commis sont susceptibles d'être exposés. Réduire, c'est d'abord réduire le risque pénal, moins par la loi que par la jurisprudence. La responsabilité du grand commis et celle plus largement du décideur public, du ministre, n'est pas principalement pénale et elle ne saurait être recherchée dans ce domaine que dans des cas tout à fait exceptionnels. Il faut ensuite veiller à maintenir un degré de confiance suffisant entre les grands commis et les décideurs publics, l'autorité politique. Il faut créer aussi et renforcer la confiance entre les grands commis et le corps social. Il faut également, à ce titre, pour surmonter les tensions et les contradictions auxquelles nous sommes confrontés, certainement simplifier et stabiliser le droit et, d'une manière générale, les procédures. Deuxième orientation, pour qu'il y ait toujours demain des grands commis en capacité d'exercer leurs fonctions, mais comme vous le savez, ils sont aussi acteurs des changements à opérer, il faut réformer en profondeur l'État et la gestion publique. À cet égard, je recommanderais plusieurs pistes.
4. Il faut développer une vision plus stratégique et globale de l'action publique, qui intègre mieux la gestion de crise, qui se soucie de l'impératif d'une performance globale et qui mise aussi sur la résilience des organisations. L'administration fait, enfin, et s'attache plus encore à faire beaucoup mieux que de gérer des procédures. Elle le fait, bien sûr, elle doit le faire, mais son rôle et sa mission ne se limitent pas à cela. Elle doit, comme disent les économistes, peut-être aussi les communicants, elle doit créer des chaînes de valeur et du service pour la communauté et pour les usagers. Et c'est à cette aune qu'il faut revoir le fonctionnement de l'État. Il faut cesser de se laisser fasciner par les textes d'organisation et plancher plutôt sur les contrats de service, les objectifs que l'on s'assigne, les résultats que l'on doit atteindre et se donner les moyens d'y parvenir. Autre orientation, il faut rendre aux gestionnaires, corsetés dans des objectifs détaillés et des procédures trop complexes, des marges de manœuvre et de réelles responsabilités. Nous n'aurons des grands commis de l'État demain que si l'on cesse vraiment de faire ce que j'assimilerais parfois à un pari sur la passivité. Il faut encourager la prise de hauteur et la prise de risque. Il faut renforcer, voire restaurer le pouvoir d'agir des fonctionnaires, des serviteurs de l'État, qui est parfois ou trop souvent entravé. Et quand je parle de restauration du pouvoir d'agir, je fais état d'un savoir qui est tout à fait récent, car je préside une fondation qui s'occupe de jeunes en difficulté d'insertion sociale, scolaire et professionnelle. Et un des axes fondamentaux, eh bien, c'est de restaurer le pouvoir d'agir. Du coup, j'utilise ce terme qui me paraît pas complètement déplacé dans cette intervention. Cela implique, dans le fonctionnement de l'État, de renoncer à une hypercentralisation qui est bien sûr la conséquence assez directe de la responsabilité politique et médiatique de l'autorité politique, puisque l'autorité politique ne cesse pas, jour après jour et heure après heure, d'être sommée d'agir dans tel ou tel sens. Il faut également réinterroger l'existence d'opérateurs ou d'agences qui doivent alléger l'État et non pas le dupliquer et moins encore le cloisonner ou l'affaiblir. Il faut aussi examiner sérieusement la pertinence de nos règles de gestion. Gestion des ressources humaines, gestion financière et transformation numérique. Gestion des ressources humaines, si les principes, par exemple les droits et obligations des fonctionnaires, doivent impérativement être maintenus, il est temps de se poser la question du passage à une fonction publique d'emploi. Le besoin de déconcentration de la gestion, de reconnaissance des mérites et des résultats, d'association des services opérationnels à la gestion des ressources humaines dont ils sont dessaisis, est avérée. Les considérations générales du rapport du Conseil d'État de 2003 sont, monsieur le vice-président, excellentes. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre 17 ans après. Elles pourraient, à cette occasion, être renforcées. Gestion des ressources humaines, mais aussi gestion financière. Celle-ci doit être allégée et simplifiée. La séparation des ordonnateurs et des comptables est-elle encore aujourd'hui pertinente et n'induit-elle pas une redondance des contrôles ? Il faut aussi, sans doute, unifier la responsabilité des gestionnaires, qu'elle soit ou non juridictionnelle. Il faut enfin poursuivre la transformation numérique qui doit aider à surmonter les cloisonnements et les fonctionnements en silo et aussi à rendre un service accru à l'usager. On pressent aujourd'hui que l'outil numérique, s'il peut déstabiliser les communautés de travail, peut aussi les fédérer et déboucher sur une meilleure efficacité collective. Et je terminerai par le point suivant. L'avenir de la figure
du grand commis de l'État est inséparable d'une réforme intellectuelle et morale qu'en d'autres temps, bien plus douloureux dans notre mémoire nationale, Renan ou Marc Bloch ont entendu promouvoir ou ont appelé de leur vœu. Il me semble qu'une telle réforme, qui est indissociable d'une morale de l'action publique héritée des grands commis de l'État, est à notre portée. Il nous faut certainement revenir aux sources de l'intérêt général. L'intérêt général, comme le service public, ne sont pas des mots vides de sens. C'est le ciment de notre société, une part de son âme, une voie pour son avenir. Ces principes doivent être fermement défendus, mais aussi être recentrés, hiérarchisés et actualisés. L'intérêt général n'est pas présent partout et ne justifie pas que l'État prenne tout en charge. Ressources aux sources aussi pour la vocation des serviteurs de l'État. Les règles de la fonction publique, qui sont conçues pour garantir la neutralité et l'efficacité du service aux usagers, tout comme les droits légitimes des agents, doivent être appliquées avec cette double ambition, sans dérive ni complaisance. Le principe d'égalité auquel nous sommes attachés ne signifie pas l'égalitarisme. Il faut aussi penser autrement, rompre avec des méthodes et des habitudes obsolètes, rompre avec les divisions, les rivalités stériles entre ministères et services, rompre encore avec le repli sur soi, l'esprit de corps obsessionnel, la défense des précarés. À l'administration segmentée et morcelée, les grands commis, les hauts fonctionnaires, au-delà des grands commis, doivent préférer une organisation qui favorise la fluidité et le mouvement, la cohésion et les coopérations. Notre pays n'est plus assez riche pour que ses serviteurs se perdent en vaines compétitions, et nous sommes aussi capables de faire preuve d'une solidarité exemplaire. Voilà, il nous faut également relier en permanence l'action concrète immédiate avec une vision globale et prospective de la pertinence des politiques à conduire. La responsabilité des hauts fonctionnaires et des grands commis, elle est collective, mais elle est aussi personnelle. La défiance qui se manifeste parfois à l'égard des services publics doit conduire chacun d'entre eux à se dépouiller de toute arrogance pour être ouvert et modeste, autant que courageux et inventif, aussi bien dans les propositions que dans la mise en œuvre des décisions. Voilà ce que je voulais vous dire, et je terminerai par les mots suivants. Sans grands commis, l'État serait plus faible, notre société serait sinon infirme, du moins diminuée, presque anémiée, même si elle l'ignore tout à fait. Mais des réalités peuvent exister alors même que la société les ignorerait. La grandeur du grand commis de l'État réside dans ce qu'il fait au service de l'État, c'est-à-dire dans sa capacité à seconder l'autorité politique en conduisant donc au présent l'action publique et en préparant l'avenir par des réformes nécessaires. Mais la grandeur du grand commis réside aussi dans sa sujétion à l'autorité politique, sa neutralité et sa vertu. Par lui-même, il n'est rien, car sa légitimité réside dans le service et dans son articulation avec le politique. Le grand commis de l'État n'existe qu'en relation avec l'autorité légitime, et il ne mérite ce titre que s'il n'outrepasse pas sa fonction. Formons le vœu que parmi les jeunes qui, dans l'ordre temporel, choisissent la fonction la plus importante et la plus noble, c'est-à-dire le service de l'État, comme disait le général de Gaulle, formons le vœu que parmi ces jeunes continue de prendre racine une pépinière de grands commis de l'État. Ils seront à coup sûr différents de ceux d'hier et d'aujourd'hui, mais ils continueront à servir avec indépendance, compétence et vision le bien commun. C'est le vœu que je forme. Non, il n'y a personne. Nous travaillons en visioconférence et la salle est vide. La séance est levée. Ça, je sais.